Toi, ta case, elle s'est fait fouiller. Ouais. Barbecue. Salut tout le monde, bienvenue dans ce que... Prends ta gorge, vas-y. Non, non, recommence, non, recommence pas. Pas ouais. Salut tout le monde, bienvenue dans le podcast épisode... 3! Ouais! Qu'est-ce que... ouais, ça manquait de timing pour le 3. Ouais, t'aurais pas mieux que tu dises épisode puis je dise 3. Oh! Ouais. En fait, c'est l'épisode 118, je pense. 118? Ah ben quand même, moi, on a upgradé. Yes! Yes! C'est bon. C'est bon. Vous avez passé une belle semaine, les gars? Ouais. Oui, oui, ben oui, ben oui. Ouais, c'était chill. Ben oui. Ouais. Ouais, ben j'ai joué à... Mané, j'ai joué à Forza. J'étais arrivé premier d'une course online. Ben ouais? Ouais, t'es j'avais Mazda, puis ça a calissement bien été. Ah, OK, t'as une semaine comme ouais, si t'étais docteur. Grosse ben, semaine. Je l'ai dit comme, j'ai switché le moteur, j'ai mis un V8, biturbo, barre anti-roulis. Là, pis, nice. Moi, j'ai gagné la Coupe Stanley à NHL 2009. Oh! Quelle difficulté! Il était à All-Star, je pense. Ta gueule, qu'est-ce que c'est? C'est pas le plus haut. Il y a genre Pro, All-Star, super Pro, je pense, ou Super All-Star. Ouais. Fait que j'ai gagné All-Star. C'est bon, ça. Nice, ouais. Man. Puis t'as gagné quoi? J'ai gagné 4 soirs à ZooFest. Venez le voir le 12, 14, 17 et 19 juillet au Catacombe à 11h30. Tabarnak, il envoie une balle courbe, Steve frappe un home run. J'aime ça. Oh yes. J'aime ça. Ben, pendant qu'on est dans les plugs, aussi, ce mardi, on est au Minifest le 26. Non, mais le mercredi. Ouais, non, c'est le 26. C'est le 26. 26, ouais. Mercredi, le 26 à 21h au Café des Oubliettes. Ouais, au Café des Oubliettes. Puis en passant, au Café des Oubliettes, il n'y a pas d'alcool. Ben, tu peux acheter de l'alcool, mais juste si tu achètes de la bouffe. Fait que moi, je vous recommande d'acheter une petite flasque d'alcool, ouais. Mettre ça discrètement puis amener ça là-bas, ça va être vraiment plus efficace pour vous autres. Ouais, pré-drinker en masse, on veut des éclairs. Oh ouais, on veut du bon show. C'est ça, on veut vous rencontrer. On veut de l'action, Chris. On veut des éclairs dans un café. Pendant un podcast. Je te dis, celle-là goûte la marde! Hein? Et en plus, on fait toute pas de scène à part JF, fait qu'on n'aura pas l'expérience pour des licks. Je vais vous protéger. Yes. J'ai amené un gun puis mon père. Il y en a un qui crie ta gueule le fif, puis je m'effondre, là, c'est sûr. Là. Ouais. Juste comme, ah, peut-être. C'est pas. J'ai jamais... un moment super important pour moi, puis tu me scrap. J'ai jamais eu tous ces questionnements-là sur ma sexualité. Peut-être maison au final. Ah, c'était. Sur un malaise. C'était bien, ça. Ouais, ben, dans le fond, on aurait mis du mille chaud, fait que vous n'êtes pas obligé de venir. Ouais, c'est vrai. Sinon, merci à nos Patreons, soit Alexis Farandou, Yann Tivierge, Gab Villot, Pierre-Luc Paquet, David Morin, Dominique Duval, Alex Curello, Joanny Morin, Xavier Bonneau-Terrien, Alexis Soro, Alexandre Côté, Alexis Baribault, Mathieu Bélanger, Nathaniel Soulard-Lechat. Le Sage, Sam Bombardier, Sam Franqueur et Yves Letourneau. Yes! Ben, merci beaucoup à tout le monde de payer pour ça. J'ai une question, tu vas-tu faire ça quand il va en avoir 2000? Ou... Mais la beauté de la chose, c'est qu'il n'y en aura probablement jamais 2000. Oh! Mais, moi, on lisse pas d'ambition, les chauves! Okay. Non. Non. Bien dit. Pas comme Martin, toi. Ah, ben à 2000, tu peux faire un générique. Ouais, ben clairement. Tu sais, déjà, si on s'en fera à 50, je veux dire, je les nommerai plus. Là. Oh, okay. Ou ça va être plus cher pour qu'il y ait un homme. Oui, oh, ça va être 20$ pour qu'on ait un homme. Ben ouais. 20$ par mois, mais tabarnak. On veut de l'argent, nous autres. Bring the khakis. Mais c'est quoi déjà votre tarif de Patreon? Ah, c'est une pièce à 10$, genre. OK, mais puis c'est quoi que tu peux avoir? C'est genre une toute cassette pièce, t'as la même crise d'affaires? Okay. Je pense à 10$, Matt, il avait dit que pendant 10 minutes, on va parler de ce que tu veux. OK, puis personne de le monde... Non, on a eu 2-3 personnes déjà arrivées, ouais. Puis c'était quoi les sujets? Il y avait le cousin à Matt qui voulait qu'on parle... le sujet, OK. Il voulait qu'on parle de sa sœur. Mais dans le fond, c'est des. Il n'y avait pas Gab Vio aussi, la sœur à... Ouais, il voulait qu'on raconte des anecdotes de dope. La sœur à un bad trip de moche. Ah, nice. Mais attends, il y a quelqu'un qui voulait que tu parles de sa sœur? Ouais, mais c'est parce qu'en fait, c'était le cousin de quelqu'un qui est sur le podcast, puis sa sœur, c'est sa cousine, mais on la connaissait. Il a sorti avec Jerry, puis Jerry était là cette journée-là, puis elle était là avec, fait que dans le fond, c'est comme si on parlait d'elle, mais elle était dans la pièce. Ouais. Ouais. Fait que c'était... On la salue, d'ailleurs. Ben Joanny Morin! Ben oui, absolument. Ok, on l'a déjà reçu sur le podcast. Ben oui. C'est vrai, elle sortait avec Jerry, elle, un podcast. Ah, ok, c'est fini, ok. Ça fait longtemps. Dans le temps de la tournée Blackout, mettons. Ah, c'était-tu celle qui prenait son aiguille quand elle revenait sous?
Sûrement. Ça a l'air d'une fille assez... Je pense que ça vient avec. Okay, tu sors avec Jared, faut que tu prennes soin de lui, sinon il se pète la clavicule. Dans le fond, si t'es ami avec Jared, t'es aussi sa blonde. Faut que tu lui donnes des petits becs, tu prends dans tes bras, tu dis... Quand je viens ici, je fais à manger des petits plats végétariens. C'est vrai. C'est le seul moment possible que c'était attendrissant parler de Jerry. On le salue s'il écoute. Ben oui, on le salue, c'est sûr. On va présenter l'équipe à la console, monsieur Philippe Lalonde. Hey, salut, bonjour monsieur tout le monde. Monsieur GM dénommé. What's up, bitch? Et très content d'avoir avec nous cette semaine François-Luc Saint-Gelais. Salut la gang. Yes! Ça va bien, Fluc? Oui, ça va bien. Et vous autres, ouais, et ça toi? T'es sûr, ça va? Oui, ça va. Okay. Arrête de me semble tes yeux rouges. J'ai l'air un peu malade. Eh ouais, tu fumais de la dope. Tu fumais de la dope, Carlis. T'as-tu une fanpage? J'ai une fanpage. Oui. Allez sur la fanpage de Fluc, dire les maladies qu'il pourrait avoir. Non. Faites pas ça. J'ai déjà de la misère à vivre avec moi-même. Juste quand je prends mon bain. Ouais. Fait que c'est ton deuxième podcast, c'est ça? T'as fait le petit bonheur la semaine passée? Oui, la semaine passée. Puis sinon, j'ai déjà fait le WhatsApp podcast au Minifest. Ah oui, c'est vrai. C'est puis, avec Paradis qui criait. En fait, c'était un podcast avec Alex Paradis puis JF. Puis les deux, ils gueulaient. Puis moi, moi j'attendais. C'était vraiment un bon podcast. J'ai dit allô. C'était la fin. J'ai écouté ce podcast-là. Je trouvais ça un petit peu inaudible, ce bout-là. C'était intense comme podcast en soi. Là. On était genre beaucoup trop à le faire. Puis on avait juste une heure à remplir. Puis Paradis qui est juste comme all-in tout le temps. Genre, ah ben ouais, t'as il est agréable. Moi, c'est un bon chat, Paradis. Cherché. Mais Paradis, son meilleur podcast, c'est avec Dave Godet quand il annonce qu'il est père. Avant de le dire à sa famille. Ça, c'est normal, Chris. Ça prouve à quel point il s'était prévu. Là. Il s'attendait à avoir des kids. Je suis sûr que c'est un bon père, en plus. C'est sûr que c'est un bon père. Il pourrait pas être. Il va faire son enfant, ça va être un esti de cave, mais lui, je suis sûr que c'est un bon père. il va y monter 3 riffs à la guitare, puis il va dire hey, là, l'idée, là, c'est que tu fais 3 riffs, tu fais hey! C'est ça que tu fais. Les gens capotent. Je vais aller le brun, tu sais, il a rien dit. Ça, si j'en ai trop, j'ai deux options. Je voulais choisir soit un cas de violence conjugale ou un cas de suicide. Qu'est-ce qui vous parle le plus? Le conjugal, moi, ça personnellement. Va être les deux. Mélange-les. On va commencer avec le cas de violence conjugale. Donc, le 4 juin dernier, les policiers ont reçu un appel paniqué d'un jeune homme qui disait être attaqué par sa petite amie. Dans le fond, les forces de l'ordre se sont présentées immédiatement au domicile conjugal situé à Indian Harbor Beach, en Floride. Arrivés sur les lieux, les agents ont découvert que le compagnon était grièvement blessé aux parties génitales. Oh. Cette dernière a expliqué qu'au cours d'une dispute, sa petite amie s'est jetée sur lui, puis elle s'est mise à le frapper, puis à le gifler. Puis là, une manée, elle y a pogné les testicules, puis elle les a serrés vraiment fort jusqu'à temps qu'il saigne. Ah, c'est tabarnak. Mais man, je comprends pas à quel point t'es pas capable de te défendre contre une fille, je veux dire. Ça dépend, là. Ouais. Moi, je suis sûr que je peux te présenter des filles qui te calissent une volée. Ouais, mais regarde-la, elle est tout petite, là, pour elle. Ouais, mais peut-être qu'elle a fait du jiu-jitsu brésilien. Oui, ça fait du jiu-jitsu, je pense pas qu'elle y aurait pogné les gars. Elle a l'air carré, peut-être. Je te confirme que, en fait, ça, là, vous allez tous faire, hey, on n'est pas surpris. Mais j'ai déjà été victime de violence conjugale. T'es sérieux? Ouais, pour vrai. Avec une ex. On va pas dire mon ex, non, on va savoir c'est qui. Puis le truc, c'est que tu peux pas. Moi, ce que les policiers m'ont expliqué, moi, ils m'ont demandé, genre, au moins 6 fois si j'avais levé la main sur elle. Ouais. Ah, ouais. Puis tout le long, je leur ai expliqué ce qu'elle m'avait fait. Elle n'avait rien à voir. Puis moi, c'était ça. Sinon, il aurait fallu m'amener au poste. Puis, ben, en fait, l'histoire en tant que telle, c'est que j'en revenais d'un choix avec Jerry, justement. On venait d'un choix à Saint-Eustache. Puis j'étais comme en train de revenir avec elle, mais j'avais encore un compte Tinder. Ah, okay. Sa meilleure amie, il a dit que j'étais sur Tinder. Je suis allé chez eux, elle m'a montré le compte, elle m'a pété une coche. Ça virait un peu, j'ai fâché, elle me frappe. Elle m'a frappé, genre pour te blesser. Parce que si t'as des blessures, tu peux le prouver tout de suite. Ben, des coups de poing dans la face. Ah ouais, Des coups de pied dans les testicules. Ça vise bien. Là. C'est drôle quand je me sens proche de ce gars-là. J'ai essayé de m'enfuir. Mais en essayant de m'enfuir, elle m'a poussé sur la porte, me suis pété à la tête. Ah ouais. Fait que là, j'ai reculé, puis j'ai essayé de m'en aller. Elle m'a crissé dans le coup de pied. Fait que là, je me suis dit, je vais courir au fond en arrière. Mais
Elle vivait dans une vieille place, un vieux genre de bloc appartement où c'était comme des portes des années 50 avec des grosses clips. Puis, il n'y avait pas la force qu'il fallait pour les ouvrir, ces clips-là. Ah, non. Fait que j'essaie d'ouvrir la porte, puis elle fait juste me recrisser un long coup de pied. Fait que le seul moment, seule affaire que j'ai faite de physique, c'est j'ai juste poussé sur la sécheuse. Je suis allé m'enfermer dans les toilettes. Puis pendant que j'essaie d'appeler la police, de nulle part, elle a dit « Je vais te tuer », puis elle a planté un couteau dans la porte. Oh, tabarnak! Elle t'a fait un Shining ici. Ouais. Ah, calé. Fait que t'as quoi d'autre à dire sur les hommes battus? Ben, j'ai plus le goût de faire de blagues pendant tout. Ouais, c'est-tu juste l'épisode qui est arrivé de violence avec elle ou? Oui. Non, mais c'est parce que le truc, c'est qu'elle était borderline. Elle était prise chez ouais, ben. Puis le truc, c'est qu'elle avait une psy, puis elle était diagnostiquée psychopathe. Mais tu peux pas diagnostiquer quelqu'un de psychopathe à ce qu'ils m'ont expliqué. En fait, ce que ma psy m'a expliqué aussi, parce que j'ai une psy, crèche, c'est vrai. Qu'est-ce qu'elle m'a expliqué? Ouais, c'est que tant et aussi longtemps que la personne n'a rien fait de grave selon la loi, le diagnostic ne peut pas être totalement assumé parce que c'est souvent des gens qui ont des genres de moments de perte totale de contrôle face à eux-mêmes. Fait que elle, c'était ça. Mais les seuls moments où elle était pas violente, mais elle lançait souvent des affaires quand elle était fâchée. Ouais. OK, c'est pas de la violence, ça. Non, non, ça, c'était comme les manettes, des assiettes, son iPhone. C'est la violence psychologique. Des oreillers. Des oreillers, c'est moins peu. Ça, c'est cool, mais... Ouais. Tu te dis, c'est une bataille, puis finalement, non, mais... Ouais, ouais, ouais. C'est l'idée que tu fais avec. Puis ouais, c'était... Fait que tu sais, c'est parce que le truc, c'est que tu te dis, ça doit être facile de retenir ça, mais si t'as retiens ou si t'as repousses... Ouais. Tu peux te retrouver dans la merde. Fait que moi, c'est sûr. Tabarnak, que c'est mal. Ouais, j'aurais tendance à genre juste. Ouais, en même temps. Facile à dire. Là. Mais tu sais, j'ai eu une injonction contre elle, dans le fond. Parce que. Puis finalement, maintenant, c'est Red Lion, c'est fou dans un café. Puis, tu sais, maintenant, elle voit quelqu'un. Puis, elle est influenceuse, ouais. Sérieux? Ouais, elle vit sa vie en étant influenceuse. Ah, ben, on la nomme-tu? Hein? On la nomme-tu? Non, ça va être correct. Je veux qu'elle continue de voyager pour poser devant des Kodak. Tabarnak. C'est ça. Mais après, c'est la violence psychologique aussi, ou? En général, c'est un package deal. Oui, là, c'était beaucoup. En fait, c'est parce que moi, j'étais le genre de personne qui, à ce moment-là, se disait, je veux pas être seul. Fait que je continue d'être avec elle, mais ça cliquait pas. On était totalement différents, les deux. Fait que c'était constamment, psychologiquement difficile. Puis, j'étais un peu trop empathique, je pense. Ouais, t'essayais de la sauver. Ouais. J'essaie d'être le sauveur dans sa vie. Ça serait quand même drôle qu'elle écoute le podcast puis qu'elle devienne une des Patreons. Puis comme moi, je mets 100 piastres pour l'amener. Non, mais... 100 piastres, c'est celui qui le pète. Je vais être honnête avec vous autres, j'ai plus peur qu'elle sache qu'autre chose. Fait que je dis pas son nom. Non, de toute façon, nous, on n'a pas une super grosse audience. Ça serait étonnant. Non, mais de toute façon, c'est pas grave que tu dises pas son nom. Non, mais je voulais pas dire ça en sens que ça n'aimera. Ah oui, Chris Dulé. Non, mais. En tout cas, peu importe. Ça m'étonnerait qu'elle l'écoute, mais ça veut pas dire nomme là, c'est pas ça que je genre. Non, mais on m'a tagué, moi, quand on m'a offert le poste. Si, c'est elle! Ouais, fait que j'ai plus vraiment, en tout cas, j'ai plus le goût de faire celle-là. Ben, vas-y sur l'autre. Mais c'est du choke! Mais c'est intéressant, par exemple, ça vaut un peu que j'entends quelqu'un parler de ça. Ouais, mais tu sais, c'est parce que. T'étais comme, oh, Chris, un head kick à la fille qui essaye de te battre. Non, mais t'aurais dû te défendre. Non, mais en même temps, je comprends. En tout cas, je comprends. Là. Ben oui, sur le moment, je comprends. C'est ça. Qu'est-ce que tu fais? Non, c'est clair. Non, c'est clair. Il y a un double standard là-dessus qui n'est pas prêt d'être oublié. Quoi qu'il y ait des policiers qui peuvent être chill. Là. Moi, j'ai un de mes bros à un moment donné que sa blonde avait pété une coche et était hystérique. Puis en fait, puis elle avait menacé de se tuer. Puis elle, tu sais, il vivait dans un sol. Puis elle a collé l'appart dehors. Par les fenêtres, mais elle pouvait pas sortir par ces fenêtres-là. Mais tu sais, elle essayait de tout le crisser dehors là. Fait que lui, il a juste comme embarré en dedans. Puis il s'est assis devant, puis il a appelé la police. Puis elle aussi, elle a appelé la police pour dire qu'il était séquestré par son chum-là. Puis les policiers sont arrivés en premier, ses policiers à elle. Puis lui, était comme, ben, quand elle check, elle a besoin d'essayer de se tuer. Puis eux, ils ont été genre vraiment smart en disant, genre, ça arrive, des crises de folle. Moi, je pense. moi, en fait, quand j'ai appelé la police, puis qu'elle savait qu'il y avait des gens qui venaient cogner à la porte, elle dit. Parce que elle était comme dans je sais pas comment dire ça, elle était vraiment perdue comme dans l'idée que je l'avais trompée selon elle, puis qu'ainsi de suite. Fait que tu sais, elle s'est inventé plein de scénarios, puis quand elle a vu que ça cognait à sa porte, puis que ça sonnait, puis ça buzzait, elle m'a juste dit, elle a dit dans la porte, inquiète-toi pas, on va leur dire que tu m'as touché, puis tu vas être dans la merde. Puis moi,
Moi, je leur ai expliqué ça au policier, puis je me suis mis à brogner comme une petite fille. T'aurais dû l'enregistrer. Ça, ça serait un bon truc à faire. Ouais, quand mais ça, même ça, temps, ça, ça vous arrive. Ouais, mais donc ça dans 3 secondes. Non, non, tu portes ton enregistrement sur ton cell, ils ont tout ça à peu près. Là. Ouais, puis, ouais mais sur le coup. Sur le coup. Non, mais, ça... non, mais sur le coup, peu importe, ça te fait une preuve, whatever. Là, ouais, tu vois qu'elle sort le couteau. Mais tu devais avoir peur. Elle vient de planter un couteau dans la porte. Puis en plus, ils viennent de faire, tu sais, comme dans les films, quand ils essaient d'ouvrir une porte de chat avec la clé, puis là, t'arrives. Ouais, ça, c'est clair. Pour être honnête, j'étais pas tant en mode funné à ce moment-là. Mais non, mais... Ça, non, non. J'ai pas l'enregistrer pour niaiser avec ça. Non, faut t'en servir en bref. Il met des filtres sur sa voix. Pour moi, en mode funné, c'est être relax. J'étais plus comme tendu, crise d'anxiété. Hey, mal des reins. Tu sais, ce genre de sentiment-là. Non, non, c'est sûr. T'avais peur. Tu sais, c'est... Je sais pas. Tu sais, elle m'avait dit ça aussi, mais tu sais... Le truc, c'est qu'elle avait, tu sais, elle avait beaucoup de tendance à exagérer beaucoup de trucs, tu sais, parce qu'elle avait beaucoup de doutes. Puis en même temps, je peux pas dire que j'étais la meilleure personne pour la calmer là-dessus, dans le sens que j'avais beau essayer d'être rationnel. Mais t'as fou, t'as trompé pareil. Je pouvais être... Ouais, ouais, là. Ouais, ouais, là. Moi, en fourrais des cocottes. Et non. Dans le fond, si un coupable de quelque chose, c'est d'avoir un excellent flair, en fait. Mais tu sais, justement, tu parlais d'affaire d'appeler pour... la police, parce qu'elle me menaçait de se suicider. Mais tu sais, dans notre relation, c'est arrivé 3 fois que j'étais chez nous ou en show, puis j'appelais la police, puis je donnais son adresse en disant qu'elle menaçait. Puis qu'elle était fâchée contre moi par accrocher en disant qu'elle allait se suicider. Fait que là, j'étais comme. J'étais comme. Je peux pas prendre le risque de revenir d'un spectacle ou de revenir de quelque part avec une soirée avec mes amis. Puis là, ah ouais, elle est morte, t'aurais pu faire de quoi, puis t'as rien fait. Fait que j'appelais la police, puis j'étais comme. Ah, menacé de ça. Puis là, il y avait 2 policiers qui allaient là. Puis. Tu vois pas ça à légère, là. Non, non, j'imagine que c'est la 15e fois un peu, là, mais. Ouais, j'étais à un certain point, fois, mais là. C'était. Ouais. À un moment donné, c'était weird parce qu'elle avait faké de sortir des couteaux. Ça, je le sais. Elle a faké de sortir des couteaux de son tiroir juste pour que j'entende qu'elle sorte un couteau. Oh. Puis elle a raccroché. Fait que là, moi, j'étais comme en moment de... Tabarnak. J'étais comme, non. Oh, c'est Noël, tu sais, Noël. Qu'est-ce que tu fais faire parce que tu fais des spectacles? Les personnes borderline, en général, là, c'est un asti de... En tout cas, j'en connais pas une tonne, mais sûr que les spécimens que j'ai vus sont assez dangereux, là. Non, mais assez dangereux comme personne. Pour vrai, c'était vraiment... Tout ça, toutes ces réactions-là étaient vraiment reliées à le fait qu'elle était quand même très jeune, elle avait très peu d'expérience, j'étais son premier chum. Ouais. Puis il y avait tout l'aspect aussi de... Elle se connaissait pas tant que ça. Elle avait un peu lâché le secondaire. Elle était restée. La pire affaire qu'elle pouvait faire. Aussi, elle avait des problèmes mentaux. Des problèmes mentaux aussi. Oui, non, mais littéralement, mais tu sais, dans le sens que elle a travaillé beaucoup sur elle. Fait que maintenant, je trouve ça cool de voir qu'elle a comme embrace tous ces petits problèmes-là. Puis qu'elle a réussi à créer quelque chose là-dedans. En même temps, tu sais pas, peut-être qu'elle est encore de même aussi. Mais oh, probablement, ça se peut très bien. Ouais. Mais tu sais. Mais je sais pas ce que tu veux dire. Au moins de l'extérieur, je suis quand même content de voir que ça va bien pour elle au niveau professionnel. Que c'était une bonne personne de pas garder de rancune. Ouais, toi, oh, non. Ouais. Ben, tu sais, si je garderais de la rancune pour les gens qui m'ont fait du mal, mon secondaire me ferait encore bobo. Là. Ouais. Puis il serait plus mon ami. En fait, je me rends compte que si je prendrais tous les gens qui m'ont fait du mal, j'aurais pas d'amis. C'est ça qui se passe. Oh, mais ça dépend de la manière que c'est fait. Si c'est fait avec amour, t'sais, mettons des monde qui te lâche des petites blagues, mais tu sais que c'est. Mais c'est pour ça que je fais de l'autodérision sur scène, puis que je parle beaucoup de mes problèmes, puis d'affaires un peu niaiseuses par rapport à moi. Puis que. Tu joues moins tes bully. Ouais, je sais pas comment dire ça, mais ça m'a juste. En fait, toute cette. Pas cette rancune-là, mais toutes ces critiques-là, puis cette manière-là d'être un peu la victime constamment. C'est ce qui m'a aidé à être drôle au final. Non, ouais, c'est clair. Parce que, tu sais, ouais. Je suis pas capable de faire de l'humour d'actualité ou de. Il faut travailler dans la vie pour être meilleur. Non, tu sais, j'aime ça, j'aime pas ça pisser debout. Quand je fous, je suis pas capable d'enlever mes bas. Tu sais, c'est ce genre, tu sais, c'est plus ça. T'sais. Moi, je suis le même. Tu t'en parles-tu pour vrai quand tu sais enlever tes bas, bro? Dans son dos barre. Je garde tout le temps mes bas. Ah ouais, pour vrai, quand tu. Ouais. Ah ouais? Ouais. C'est confortable. Pour vrai, c'est parce que j'ai souvent un froid aux extrémités. T'sais. Ah ouais? Fait... Ah non, mais c'est cool. Mais Chris! Ouais. Fait que toi, tu fous en bas blanc, en mitaine. Ben, je suis nu, j'ai mes bas. Okay. Même l'hiver. Ça serait mal que tu gardes tes bobettes pour te réchauffer les gosses, genre. Tu fais juste une tuque à gosses. Genre juste un tapon. Ça l'attache autour. Ah, reste au chaud. C'est un foulard. Non, mais ouais, moi, je trouve ça... Je sais pas pourquoi il y a des gens... Je sais pas c'est quoi le style de...
d'affaires qui se passent à dire que tu fais mal si tu gardes tes bas. Je suis comme Chris. Mais non, ça n'a rien de c'est juste l'image d'un peu. C'est des gars pour mes pieds. Ça m'est arrivé une fois de dire ça à mes amis, mais genre, c'était même pas comme il faut que je garde mes bas. C'était genre, ben, ça arrive que j'ai mes bas parce que je pense pas les enlever, mettons. Là. C'est même pas comme une préférence ou quoi que ce soit. Puis t'es comme, tu gardes tes bas. Là. On dirait que je fourrais ma marde pour eux. Là, pour vrai, ouais, là. Mais c'est. Non, c'était mais... vraiment. Là, non, pour... mais c'est l'image d'être tout nu avec des bas. Qui est weird, là. Tu sais, sur ça, petite référence précise puis weird, là, mais dans le making of de la saison 1 des Invincibles. T'as le personnage de Patrice Robitaille qui se rase la poche. Ouais, puis oui. Le réalisateur a dit non, on va le mettre genre juste tout nu qui se rase la poche, mais avec des bas. Ça va être plus drôle, mais c'est vrai que tu fais l'image tout nu en bas, c'est un peu ridicule. Tu peux sortir tes pantalons avant de mettre tes bas. Tu sais, non, juste pour l'adhésion sur le sol, me semble, j'aimerais mieux fourrer des souliers que des bas. Genre... sur le sol ben, dépendamment c'est moins sportif mais quand moi faut, oui. Ben, dépendamment du faux t'as-tu, moi... t'as-tu des Jordan Air juste pour fourrer ben, oui. Mais moi c'est un, ben, peu, oui. C'est un peu de phobie je aussi mon quand je fous, moi je fous sur le test du bip il y a le bandeau juste en dessous des tits pour la vraie oui j'ai le petit bracelet avec les écouteurs puis l'iPad là. Écoute ça serait... il check sa montre puis il compte son ça serait drôle qu'il y ait genre un bracelet Fitbit pendant que tu fous puis tu comptes juste le nombre de fois ça fait 1250 calcul en kilomètres. Mais moi, en fait, pour venir à ça, moi beaucoup, en fait, ce qui a fait en sorte que j'ai gardé mes bas, c'est que j'étais un peu, pas maniaque de propreté, mais si je te connais pas et je suis chez toi, tes planchers sont sales, j'ai pas envie d'y toucher. T'sais. Ah ouais, pour vrai? Fait que je suis comme en mode de... Non. Fait que tu dois pas y manger à la plotte quand t'as connais pas, j'imagine? Ça, c'est vrai que c'est un peu contradictoire. Ok, non, mais c'est sexuel, t'es bandé. C'est vrai, mais ça, c'est cool. C'est cool, l'oral. Ouais, j'adore ça. Ça serait hot que tu lui demandes de te chier sur le chest. Puis genre, admettons... Mais je veux pas te chier à tes planchers, s'il te plaît. Moi, je t'en fais mal, finalement. Moi, je t'en Non. Ah non, mais anyway, j'imagine que ça doit être un coup bandé, tu y penses plus, là. À mes bas, ou j'y pense? À tes bas? Ouais, non, mais je pense que je pense à l'hygiène. Non, mais ça dépend aussi, tu sais. Moi, je. Tu sais, non, je n'ai rien à dire là-dessus. Mais ça a-tu déjà arrivé, mettons, que la fille, elle veuille enlever tes bas, par exemple, puis tu fais juste comme, wow, ouais. Tu peux me mettre un dos dans le cul, je si ça te tente. Je me suis déjà fait dire, la fille, elle me dit, attends, mais là, tu vas enlever tes bas. Mais c'était-tu une fétichiste de pied ou juste elle, elle trouvait... Non, elle trouvait ça dégueulasse. Puis là, j'ai fait... Ah, ouais. Ben là, je garde mes bas, puis là, en fait, comme. Non, mais pourquoi tu gardes tes bas? Je veux dire, comme t'es tout nu au complet, enlève tout. Puis là, je suis comme, mais qu'est-ce que ça fait de différent? Tu vois pas mes pieds, tu sais. Puis on a couché ensemble, mais c'était malaisant. C'est sûr. Comme ça a comme c'est créé un. Chris, quand tu t'obstines avant de fourrer, là, c'est rare. Surtout si tu la connais pas, là, c'est sûr. Mais ça elle était peut-être maniaque de propriété aussi, puis dans sa tête, tes bas sont sales, puis son lit est propre. Oh. Ah non, je te confirme que c'était sale. Non, moi, non, mais c'est pas méchant, là. Je dirais pas son nom, mais comme, c'est pas méchant, mais, tu sais, en plus. Tu comprends pourquoi Claude, elle voulait te battre un peu? Non, mais c'est même pas méchant, c'est juste que j'avais mes bas, puis pour vrai, c'était pas propre chez elle, là. Tu sais, le genre de plancher un peu luisant, j'étais comme, il y a un problème ici. Puis, faut vous compreniez, on était vraiment sous, on rentre dans sa chambre, il fait fucking noir. Puis là, un moment donné, pendant comme, qu'on couche ensemble, c'est rendu malaisant à cause de mes bas. J'entends des genres de cric, 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 partout dans la chambre. Puis là, je suis comme, Chris, c'est quoi ça? Puis, en plein milieu, je fais juste dire, qu'est-ce qui se passe? Puis là, elle me dit, ah, c'est mes rats. Oh, tabarnak. Et là, je suis comme, de quoi tes rats? Là, dans ma tête, moi, je vais être honnête avec vous autres, je voulais m'en aller, parce que j'étais comme, attends, si t'as des rats dans ton appart, moi, je m'en vais, là. C'est pas vrai que mon bat va rester ici, tu sais. Puis, mais finalement, elle avait un mur complet. Avec plein de cages, avec des furets, des rats. Elle avait des chiens chida. Ça sentait le calice. Moi, qu'elle me dise, wow, tes bas, c'est trop. J'étais comme, toi, je pense que c'est trop. T'as 27 rats, calice. Genre, pis ça sent pas bon. En tout cas. Ah, c'est clair. Bon, t'as je pas me un suis fan vidé. De l'anal, si t'as pas eu fait les planchers sales. Encore là. Ouais, t'aimes ça? J'ai un fan d'anal. Je dirais pas que je suis un fan d'anal. Ben, ça fait changement. Je suis plus. C'est ça, ouais. Mettons, je suis plus un fan d'oral, ouais. Tu sais, mettons, si au secondaire, ça aurait été cet oral-là,
aurait trippé. Tu sais, je pense que j'aurais été pas pire dans ce... Mais juste savoir, quand t'es rentré dans l'appart puis que t'as vu les cages puis tout, t'as-tu fait comme... Non, non, là, c'est pas ici de confort, là, Chris. Ben, quand je suis rentré... En fait, le truc, c'est qu'elle habitait avec sa mère. Puis on est rentré dans sa chambre, il faisait super noir. Puis tu sais, si selon le moment de oh, on s'embrassait, on se déshabillait, puis là, on rentre dans son lit. Ah, shit, moi, j'ai pas focusé une seule seconde sur il y a des cages ici. Tu sais, j'ai en fermant la porte full vite. Ouais. De même, il y a eu des bas, c'est moi. Le débat des bas. Ça sonne bien, ça, par exemple. Pis... le débat des bas. Des bas des chefs, des bas. OK. qui a la meilleure chaussette? Moi. Non, mais tu sais, je sais pas. Puis j'ai. Hey, tu aurais pas tatoué des bas, man, ça serait malade. Oh, Steve! Wow! Ça serait fucking nice. Oh wow, ça ferait mal en dessous, par exemple, là, mais c'est pas colorier le dessous. Maintenant, est-ce que t'enlèverais tes bas? Ici? Ouais, oh, mais garde tes bas, je me... Non, on n'enlèverait pas mes bas. C'est pas parce que c'est sale. C'est juste parce que... C'est pas propre. Je sais pas, j'ai froid aussi au pied. Il y a un trou dans mon soulier, mais il y a un peu d'eau. Il y a pas de stress, mais il y a pas d'eau. Moi, je te tends des justifications. Là, Je lui faisais exprès pour te mettre mal à l'aise. Oh, un peu. Ouais, il est bon là-dedans. Bon, ben à cette heure, on va parler de l'autre sujet d'intro. Ben oui. Un drame qui s'est produit mercredi matin dans un appartement de Porte de Saint-Ouen dans le... Dans le 18e arrondissement de Paris. Saint-Ouen? Saint O-U-E-N. Ouin. Saint-Ouen? 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 Mais c'est à Paris, c'est-t-il, ça m'étonnerait qu'il prononce ça. Saint-Ouen. 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 Peut-être. C'est comme c'est what? En tout cas, parce qu'un homme âgé de 45 ans qui va faire passer Dédé Fortin pour un gars un peu soft. Il le connaît, si! Non, lui, il a décidé de se suicider, mais il a décidé de se planter une fourchette dans un œil. Après ça, dans le deuxième œil. Puis après ça, il s'est planté ça dans la carotide. Mais Dédé Fortin a pas l'air plus soft pour autant, mais lui, il a l'air vraiment plus stupide, par exemple. Ouais, c'est clair. Mais c'est techniquement, Dédé Fortin voulait faire un harakiri. Ouais. C'est quand même assez noble, mais avec un couteau genre à steak, ce qui est plus douloureux. Il y a un couteau à steak? Ouais, c'était pas un katana. Moi, j'ai lu le rapport, puis en fait, il se l'est comme planté dans le ventre. Puis il essaie de passer. Attends, il y a un rapport qui existe que tu peux consulter, genre? Attends, mais ouais, j'ai cherché longtemps, mais moi, je deviens un peu autiste quand j'aime les artistes. Ouais. J'aime... Moi, je comprends. Ouais, le rapport, genre, de la scène de crime, qu'est-ce qu'il estime qui s'est passé, c'est qu'il s'est planté le couteau, puis là, tu sais, à Rakiri, tu te le plantes, puis tu fais ça comme ça, sauf que là, Chris, ça passait pas, fait qu'il a comme zigonné partout, fait que là, il y a du sang partout, puis ça finit qu'il a mis le couteau vers son cœur, qui est foncé dans le mur, puis là, le couteau, il est rentré, puis il est mort. Hein. Fait que, ouais, ça c'est quand même assez fucked up. Puis je connais quelqu'un qui était là aussi, qui était dans l'équipe de police qui est arrivée, qui est débarquée là-bas. Hein. Holy shit! C'est assez fucked up. Hein. Fait que lui, avec ses fourchettes dans ses yeux, c'est pas une version plus dark de Dédé Fortin, c'est la version cousin attardé mental de. Ah, ouais, c'est mieux dans Chris, là. À quel point tu penses que tu vas beaucoup saigner des yeux, Esti, pour que tu penses qu'une fourchette ça marche? Mais sérieux, une fourchette c'est un réflexe, là. Il s'est juste trompé dans le tiroir à ustensiles, là. Chris, tu te suicides pas avec une fourchette. Non, s'il t'as le choix, là. Tu prends pas une fourchette. J'essayais juste de manger ses pâtes, puis... C'était non. Des œils en verre, Peut-être que son rêve, c'était de devenir pirate. Oui, ouais, peut-être. Ouh, Ray Charles. Il y avait un déguisement de pirate, genre repassé, prêt à être porté, puis il retrouvait qu'une fourchette dans l'œil. Ça serait vraiment drôle qu'il soit juste mis une fourchette dans les deux yeux parce qu'il s'est dit, genre... Bon, les gens remarquent pas mon talent, mais quand je vais être aveugle. C'est drôle, style. Ce serait malade. Wow. Ils vont pleurer devant leur Facebook. Fait que c'est ça, les secours ont essayé de le réanimer, mais en vain. Effectivement. Mais ouais, fait que les deux yeux, puis la carotide. La gorge, ouais, la carotide. Sur combien de temps ils disent-tu à peu près? Sûrement qu'il y avait genre. Ah! Il l'a enlevé. Là, il a manqué son œil une couple de fois. Oh, c'est sûr, lui. Il était... Ah!
ça devait... Ça aurait dû être un live Facebook. J'aurais payé cher pour voir ça. Puis tu mets genre le répondeur des colocs à côté en arrière. Putain de merde! Je vois rien! Ouais, fait qu'en tout cas, il est mort! Yes! Bon, ouais, ben, on commence avec la chronique à Philippe. Ouais, ouais, ben cette semaine, je suis bien content, les gars. Pour une première fois dans l'histoire du podcast, on a un unboxing. Oh! On va ouvrir le fan mail. Parce que là, j'ai des fans qui m'ont envoyé des affaires chez nous et tout ça. Fait que je voulais qu'on les ouvre. Il y a des affaires qui sont à l'intention de plusieurs personnes. Là, je vais commencer. Ben, il y en avait un pour Marco. Ici. Ah oh ouais, il y en a un pour moi. Ouais. Il y avait ça ici que j'ai reçu dans mal pour toi. Là, okay. Je sais pas trop c'est. Mais attends, c'est des cadeaux ou des emails? C'est une tête de cheval. Je sais pas, là. J'ai. C'est quoi? C'est l'Exaflux! Ah, ben peut-être qu'il savait que t'étais fan d'MMA ou quelque chose. Je pense qu'il y avait une lettre dans le fond que j'ai vue. Le sac était quand même transparent. Ils sont peut-être qu'ils savent que t'aimes le MMA. Écoute, peut-être Let's Get Ready to Gamble aussi. Ah, peut-être. Ça se peut bien. Mais attends, est-ce qu'ils t'ont juste donné un gain? Ben, au pire, j'en ai d'autres. Fait ouais, ben, peu fun pair. Ça peut être bon pour faire un fist bump, à la limite. Ouais. En plus, c'est ma marque, ça, Yabusa. Il y a un protéger sport à poignet. Ah, c'est super bon. Ouais, cool. C'est quoi la londe à l'intérieur? Non. Peut-être qu'ils t'ont donné un. Fais-toi d'en face. Oh, Chris, OK. Hein? Fais-toi d'en face, bon. Ah, ben, ça part. Fais-toi d'en face. Bon. Fais-toi d'en face. Ah, OK. Tu vas le faire pour. Tabarnak. Yes. Bon, ben, ça part bizarre, mais c'est. Bon, c'est le premier. Qu'est-ce qui s'est passé, là? Chris, c'est genre, c'était pas écrit fais-toi dans le cul. Ouais, ça, je l'aurais pas fait. Je suis plus habitué de manger. Mais du moins, sans lien. Ouais, c'est un gars, j'en avais un pour moi aussi que j'ai vu passer. Qu'est-ce que c'est que ça? Ok, on a un livre. On a un livre avec une flèche. C'est. Une minute. C'est un livre Weight Watchers, puis il est marqué ça va t'aider à perdre tes hosties de totons. Je pense que c'est moi qui ai envoyé ça. Ah ouais. Fait que, ben, merci. Mais attends, ça, c'est vos fans. Ouais, c'est ça. Ça donne juste que c'est le gars de ma mère. après ça, ben, j'en ai un pour GF. Calice. Pas trop. Ben, votre teint, là. Il va peut-être être positif, là. C'est quoi, c'est des caleçons pleins de marde. C'est quoi? Je suis habile. C'est une banane avec un condom. Ah, Chris! OK. C'est... Attends, j'ai un petit mot aussi. Ah, OK. Chris, je pensais qu'on... Je pensais pas que c'était le lien qu'on avait avec nos fans. Ça, c'est pour ta blonde, mon chum. C'est quand même OK. Mais le pire, c'est qu'elle aime quand même vraiment les bananes. Ah, OK. Ça va être bon pour son, là. Façon, oui, c'est la, ça, il y a du latex tout le tour. Ben, merci. Merci à qui de droit. Qu'est-ce qui s'est passé? Ben, j'ai une enveloppe aussi pour Marco, là, ici. Pour Marco. Une autre enveloppe? Ouais, pour Marco. Est-ce que pour Fluc? Non, il n'y a rien pour Fluc, malheureusement. Excuse-moi. Je suis vraiment déçu, là. Tu as mon enveloppe? Ah ouais, je peux le donner pour ah toi. Ah ouais, vas-y, ouais. Tu as-tu le condom you? Ben, ça doit être, je sais pas, ça doit être cool, là. Oh, qu'est-ce que c'est? C'est, c'est une photo de monsieur, hein, qui, Ah, c'est 69 d'hommes! C'est deux amis qui se donnent de l'amour. Ah, c'est GF. OK, lui, il a représenté deux homosexuels qui font 69 par GF. OK, moi, je suis en dessous, puis je me mange un bad dans la gueule. GF, il me suce par-dessus. Ouais, ben, j'imagine qu'il a reconnu que t'étais rasé, fait que... Ben, merci. Cette image, c'est l'amitié. Ben, écoute, on va mettre ça sur mon fridge, je pense. Ah, ben... Bon, ben. Donne-moi ça, Chris. Ah, OK, ben, je vais aller. J'en ai un autre site. Ça, c'est une enveloppe aussi pour moi. Là. Je vais juste voir. J'ai moins en moins confiance. Là. Ça a l'air d'être. C'est des paroles de chansons. C'est. Ah, calice. C'est paroles People equals shit de Slipknot. Ils ont remplacé les People par Philippe. Bon, ben merci beaucoup, Westy. C'est gentil. Mais vous avez un groupe, Marco? Tu pourrais nous chanter ça? People Equal Shit. T'as les paroles, pis tout? Ouais.
Ah, ben il y en a un dernier. Il y en a un autre. Il y en a un dernier. Ça, c'est pour nous autres. Je vais l'ouvrir pour nous autres. C'est marqué OBLC dessus. C'est pour la gang, j'imagine. OBLC. On se barre le casque. Ça va peut-être être positif, là. Je sais pas. Non. Ah, ben, une plaque. Le bonheur n'est pas une destination, mais une façon de voyager. Ah, en arrière, il est marqué suicidez-vous. Ça, ça vient de vos parents. Ouais, ça, c'est ta maman. Ça, c'est clairement le genre de cadeau que t'envoies un influenceur. Ah oui, hein? Genre qui? Oh. Non, mais c'est pas ça. Non, mais... Ah, là, je suis... Bon, ben, je pense que le message est clair. Fait que c'est juste ça qu'on a reçu dans... Ah, dans ben, Chris, ben, merci. C'est le monde qui veut nous envoyer désolé, des... Les gars. Ah, ben, c'est ben, ça. Ouais. Ben, c'est juste ça. Ben, merci. Je sais pas, là, je sais pas quoi. Ça te fait de la peine? Ben là, l'affaire de Weight Watchers, un peu, mais c'est correct. Pourquoi? Parce que t'es gros? Ben, oui. T'es pas gros, t'es... Gras. T'es musclé. T'es... Je suis musclé mou, moi. T'es... T'as un objectif raisonnable. Ouais. C'est... Oh oui. Non, mais c'est pas méchant, ça. C'est gentil. C'est pas drôle. C'était pas si méchant. Non, c'était bien dit à ton lit. Oh my God, ça va y aller. Mais là, moi, j'ai... Non, mais moi, c'est comme c'est cool, ce dessin-là, que tu voulais donner. Ben oui, ouais. Non, c'est nice. Ça te parle. Ouais, c'est assez explicite, ouais, hein, quand même. Mais moi, je pense qu'il faut que tu revoies ta définition de dessin un peu plus. Là, mais ces gars-là, pour être protégés contre ton ex, par exemple. Oui. Pas mal sûr que les deux, ils me protègent. Ouais, sûr qu'après, soit en hostie. Là. Soit ils me protègent ou ils m'enculent. Ouais. C'est toujours un risque à prendre. Ouais, fermé, je suis comme tanné. C'est ça. Bon, on va un peu plus tourner vers toi, Fluc. Je me demandais, ça fait combien de temps que tu as commencé à faire du stand-up? Merci, boulot. Ça va faire... Dans le fond, ça a fait 5 ans le 13 mai. Ouais. Ça fait 5 ans. Ça fait 5 ans. 5 ans? Puis ouais. Tu te rappelles-tu ta première fois sur scène? Première fois sur scène, en faisant du stand-up, genre, mettons, de l'impro, du théâtre. Non, stand-up, quoi. Stand-up. Stand-up. Oui, stand-up, personne ne parlerait d'impro. C'était à secondaire en spectacle. Oh, ouais. Je sais pas, t'as commencé jeune, toi aussi. Ouais, vraiment. Secondaire en spectacle. Tu avais 24, fait que tu avais 19 à l'époque. Hein? Tu avais 24, fait que tu avais 19. Secondaire en spectacle, pour le monde qui n'a pas doublé, tu finis pas ça à 19 ans. Non, c'est ça, généralement. Généralement, secondaire, je finis ça à 16, 17, ouais, des fois. J'ai pas, ouais. Non, pas grave, pas grave. Ouais, puis j'avais fait un numéro, puis ben, mon numéro était censé durer 5 minutes, il a duré 17 minutes. Ça, je m'en rappelle. Ouais, j'ai beaucoup de blanc. Fait ok. Je m'allais dire, les rires étaient longs. Ah ouais, il y avait des grosses claps, là. Un cas, c'était bon. Mais pour vrai, ça s'est bien passé ou non? Mais pour vrai, ça s'est super bien passé. Le problème, c'est que mon contenu était trop trash pour. Ah ouais? Ce oh ouais. Puis parce que, tu sais, quand tu commences à faire de l'humour, tu te dis, hey, il m'a provoqué. Puis. Ouais, Chris, qu'il y a pas tout le temps. Moi, je parlais de l'amour, puis de mon apparence, puis des verres d'eau quand j'ai commencé. Hein. Ah, c'est drôle, toi, ça a comme fait un autre switch. Ouais, je fais ton switch. Tu t'es dit, il m'a tout publié, finalement, moi, ça. Et mon esti, hein? Je t'ai picassé, il va me frapper. J'ai vraiment pas hâte d'attendre. Ouais. Non, mais ça, puis je faisais des jokes vraiment trop trash, puis il y avait comme le boss de la CSDM, le directeur, la directrice adjointe, puis il met mes parents en avant, puis c'était mes parents riaient pas. Puis le boss de la CSDM riait pas. Ouais. J'avais fait vraiment des jokes. Je comparais, mettons, les menstruations à du canneberge. C'était vraiment vraiment secondaire. Là. Ouais. C'est cool. Ouais. Mais le P, au moins, tu étais capable de le finir. Là, si c'est Wire pareil. Là. Ouais. Mais ouais, je l'ai fini. C'était long. Mais t'es capable de jongler avec les blancs, genre, pour que ça paraisse pas trop pire? Ou, mais à ce moment-là, oui, jusqu'à un certain point, dans le sens où j'animais le show, puis j'étais dans 3 équipes d'impro au secondaire. Ah, okay, fait que j'étais en mode de... Les gens me connaissaient aussi, tu sais. Fait que je savais qu'il y avait des gens qui me connaissaient. Parce que ça, c'est l'année où j'ai commencé à devenir quelqu'un pour le secondaire, là, pas juste le double que tu détestes parce qu'il est laid. Là. Donc, il est drôle. À la place de rire de toi, tu faisais rire le monde. Ouais. Ouais. Mais je riais de moi, mais il riait, il trouvait ça drôle parce que c'était vraiment... Les gens qui me collaient, je leur punchais dans la face parce que j'avais un peu cette rébellion-là de l'adolescent qui est comme « Hey, fuck vous autres, est-ce que maintenant j'ai de la répartie? » C'était comme c'était ça, tu sais. Fait que non, fait que ça avait quand même bien été. C'était pas une mauvaise foi, mais... Tu sais, c'est parce que quand tu dis que t'animes un show d'1h30
avec des sketchs que tu as écrits toi-même avec un co-animateur. Puis là, t'arrives. Ouais, puis là, t'as un rookie aussi. Là, t'as pas les c'était mon premier show d'humour à vie dans ma tête. T'sais, première fois que je faisais un numéro, c'était là. Fait, j'ai pas eu le temps vraiment de m'en rappeler tant que ça. Là, ouais, fait, ouais. Et nous, on a tout déjà vu des secondaires en spectacle. Ouais. Je veux dire, c'est calibre secondaire en spectacle. Arrête, là, c'est bon. Oui. Mais sinon, les premières parties au brouhaha. Ah, attends, je vous ai coupé. Non, non, j'ai une question. Les premières parties au brouhaha à la soirée douteuse, ça se situe où dans ta carrière, mettons? À ma carrière. Pour moi, c'est comme une découverte personnelle. En fait, dans le sens que j'avais pas vraiment de place où je pouvais me permettre de tant tester à ce moment-là. Fait que ça me permettait. Je savais qu'elle allait pas tant rire, puis qu'elle allait être semi-dedans, puis que ça allait être peu de monde, mais je me permettais d'essayer plus d'affaires. Ce qui m'a permis de comprendre que mon personnage qui était awkward, il était awkward quand il y a 4 personnes. j'ai comme pas eu le choix d'être un peu plus moi-même, puis de niaiser, puis de comprendre, puis d'essayer des concepts. T'sais. J'avais essayé un concept là-bas qui m'avait bien aidé à comprendre que je pouvais faire plus des bits. C'était si mon gag était pas drôle, j'étais obligé de manger du sel. Puis ça montait de niveau à chaque fois. Fait. C'est pour ça que t'as fait des pierres au rein, c'est-tu? Ouais. Probablement. Ouais, pas aussi. L'alcool, c'est-tu? C'est le seul. Hein? Puis, mais ça, c'est que je buvais de l'alcool en même temps, pire, à cette idée. Puis comme le niveau 1, c'était du sel. Après ça, c'était dans le fond. C'était des sels. c'est bon, ça. Et non. Mais ça, c'était du sel. Après ça, c'était de la cannelle. Puis l'autre, c'était de la sauce tabasco. Avec de la moutarde. Les deux mélangés? Ouais. Mais le pire, c'est qu'à douteux, il devait juste se forcer pour pas rire, pour te voir souffrir. Ah non, mais ouais, c'est ça, il riait pas, fait qu'il souffrait. C'est ça, parce que je faisais les premières parties, puis tu sais, c'est du gym, c'est hot, puis tu sais, moi, j'y retourne encore parce que j'aime la lag flou, puis de temps en temps, là. Ouais. Mais. Moi, j'ai cette soirée-là, d'ailleurs, douteux, soiredouteux.org, là. C'est ça que tu parles? Ouais, c'est ça que ouais, c'est nice comme si aime tout ça. Comme c'est des super nice soirées, tu sais, mais un moment donné, j'étais juste en mode de. Tu sais, je vais rester dans le groupe parce que je trouve ça quand même cool de voir qui va puis qui prend le risque de faire ça, mais moi, d'aller là, ça fait juste me briser ma confiance. Je sais pas comment dire ça. C'est que, tu sais, mettons, si c'est dans un hype de 4 shows dans la semaine, bac à bac, puis là, tu sais que, mettons, un soir, t'as 2 shows le lundi, mais tu sais que t'as le douteux avant. Ça te brime un peu. Ouais. T'es comme... Ah, ben moi, je suis pas d'accord avec toi là-dessus. Mais comme autant que toi, ça peut t'aider à te pratiquer peut-être pour te mettre dans le bain. Moi, ça me met pas dans le bain. Ouais, non, moi, ça fait juste en sorte que je suis comme, ouais, mais là, je m'en allais tester des trucs. Je viens de tester ça. Oui, je me suis mis en bouche, mais là, j'ai pas autant la même confiance que j'avais dans les premiers temps dans ma tête. T'sais. Fait que c'est plus ouais. ça. Ouais, moi, là, je teste jamais vraiment le gag s'il marche là, mais je teste ma confiance que j'ai dans le gag. Justement, c'est ça que ouais. je te genre, est-ce que, ok, je sais que, parce que c'est un peu un groupe au début, parce que mettons, pour ceux qui connaissent pas la soirée, t'as une première partie qui est là pendant que le monde arrive, pendant que le monde set les trucs pour le podcast. T'as le podcast. Non, attends, c'est pas une première partie, ils appellent ça un monologuiste invité. C'est un peu l'équivalent de comme les gens, t'es à l'épicerie, ils sont comment toi, t'es en balleur? Non, non, sur mon slip de paix, c'est marqué être caissier, je suis vraiment bon. Mais le pire, c'est que monologuiste, t'as mis de juste laisser là parce qu'à un moment donné, je m'étais obstiné avec que c'était pas du monologue que je faisais. Mmh. Mais ben, bref, en tout cas, fait que quand t'es première partie là, tu fais être contre plein de monde, mais que, tu sais, eux, ils arrivent puis ils se commandent leur première bière. Fait que tu peux pas y dire, genre, ferme ta gueule. Faut que tu deals avec ça. Fait que quand tu pitches un gag, puis qu'il y a soit un silence, soit quelqu'un qui parle, faut que tu le front. Sinon, ben, Chris, tu vas juste t'écrouler sur la scène puis ça va faire, ah, shit. Fait que moi, pendant un bout, j'allais là vraiment juste tester la confiance. De mes gags, puis savoir si j'étais capable de fronter ça, puis de me mettre un mur. Ouais. Puis maintenant, je vais juste là pour triper, puis niaiser, puis je suis comme, genre, au pire, ça sera ça, puis j'en ai rien à foutre. Ouais, mais je suis bien accueilli. Depuis une couple de temps, ils ont plus de monde, puis je suis vu comme, genre, une genre de rareté dans la première partie. Puis il y en a qui écoutent le show, qui me voyaient là avant. Fait que, à date, là, quand j'y retourne, là, j'ai des vrais rires un peu plus. Ça. Ouais, mais tu sais, moi, je sais pas, c'était plus en mode de. Excusez, rapport. Un reflux gastrique, t'as mangé une Cheetos? Ouais, c'est. Ouais, mon colon irritable n'est pas content de moi. Mais non, mais moi, j'allais plus là au début pour. Tabarnak. Pour expérimenter. Dans le sens que c'était plus expérimental pour moi, dans le sens que je comprenais pas tant comment me mettre à nu sur une scène. Fait que ça me permettait d'essayer des concepts où je pouvais essayer de plus connecter avec moi-même face à eux. Puis ça me donnait un peu de confiance, mais.
après ça, j'étais comme... Hein, tu sais, je sais pas. C'est pas tant que... Tu sais, j'adore Tommy, j'adore Elise, ouais. J'adore la gang qu'il y en a. J'adore le concept. Je trouvais ça cool de rester là-bas, prendre une bière avec eux, puis discuter, mais... À un moment donné, j'ai juste fait... Ouais, pour moi, pour ma confiance envers ce que j'écris ou ce que je fais, c'est pas une bonne chose d'aller là péter une V1. C'était ça. Mais tu sais, j'adore la soirée. Tu t'imposes-tu que ce soit une V1 quand tu y vas? Non, ou... tu fais ce que tu veux, mais... J'étais juste en mode de... Je sais pas. Moi, ça fitait putain. Bon, ben, de toute façon, il faut que tu y ailles avec ton feeling et comment toi, tu le vis. Littéralement. Fait que si, mettons, on est dans l'échelle de ta carrière, step niveau 0, le tutoriel, c'était secondaire en spectacle. Level 1, c'était une soirée brouhaha. Puis c'était quoi l'autre step après? C'est où que tu as vu après ça que ça t'a passé à un autre niveau dans ton style, dans tes trucs? En jouant beaucoup aux As les premières années. À l'open mic, ça? Dans le temps, ouais. Les premières années, la première année quand c'était BL puis Sam. Oh shit, c'est vrai, c'était pis, BL. Tu sais, moi, j'étais. C'est con, mais j'étais super ami avec Sam. Puis il y avait souvent des gens qui cancellaient. Vu que dans le temps, les open mic, c'était semi bien. Dans le sens que c'était bien vu, mais il y a comme. Il était, ben, il y en était... chiait partout. Là, ouais, ça, fait que c'était ça. Puis, tu sais, j'avais joué 11 fois. Dans la première saison, sur les peut-être 21 shows. Ah, ouais. Fait que, tu sais, parce que j'étais tout le temps là, tu sais. Puis ça, ce qui m'a le plus aidé à me découvrir, puis à comprendre ce que les gens attendaient de moi, ce que les gens voyaient de moi, ce qui faisait plus les rires face à ce que je suis dans la manière d'amener les choses, c'est là que ça s'est vraiment implanté. Puis l'année d'après, tu sais, c'est là que ça a commencé un peu plus monter pour moi personnellement. Puis mes affaires étaient plus claires. Puis j'ai eu des gros spots qui se sont comme amenés. Dans mon univers, puis que l'argent commençait à un peu rentrer. ce qui est cool, mais quand tu veux manger des légumes. Un peu rentrer, qui veut dire l'équivalent du BS, à peu près, là. Mais ça veut, quand tu commences, ça veut. Ouais, mais... Chômage, un peu de respect. Non, mais quand tu veux manger. Non, mais c'est un équivalent, c'est la même chose. Pareil, c'est quand même cool. Non, mais c'est parce que moi, dans la vie, je me suis toujours. Moi, je suis très minimaliste, là. J'ai pas besoin de grand-chose pour être bien. Mais si je suis capable de me payer beaucoup de légumes et de fruits dans un mois. Heureux. C'est comme c'est quoi à dire, mais comme moi, survivre, ça m'intéresse. Hein. Ouais. Comme, ça m'a aidé sur ce point-là. J'étais comme Chris, c'est là, je suis capable de manger avec ça. Ouais. Pas prendre l'autobus pour avoir une passe, mais je peux manger. T'as encore un side job ou tu. Non, ça fait 2 ans que je fais ça à temps plein. Ah ouais? Je sais pas comment dire ça, c'est que, tu sais, mettons, la première année, je me suis mis à. Décolle, là. Dans le sens, ça s'est mis à bien aller. Ouais, j'ai eu des spots. C'est un peu d'estime pour toi. Ça décolle. J'ai juste l'air d'un gars qui est rempli de confiance. Non, c'est pour ça que je voulais t'en donner. C'était pour une fois que j'étais gentil. Ah, c'est cool. Je suis content. Merci. C'est rare, faut que tu le prennes le train quand il passe. Là. Ouais, ouais. Faut que tu le prennes le train. J'ai jamais été gentil avec eux à date. Oui, Chris, ça fait plein de fois qu'il m'a dit prendre confiance en moi. Vraiment plus que là. Non, mais. Tu as un peu le syndrome de l'imposteur un peu là-dedans ou ça part de là? Non, mais j'ai toujours été de même, je dirais. C'est que je me suis tellement adapté à ce créneau-là face à moi-même de tout le temps rire de mes affaires puis d'assumer mes faiblesses. Je suis un peu de même. T'as l'impression que ça pèterait le personnage et tu commencerais à avoir confiance en toi, genre? Un peu, je pense. Ouais. Ben oui, quand même. Mais autant, c'est parce qu'autant, tu sais, sur scène, je pense que j'ai l'air d'avoir confiance en moi, là. Même si, comme, je fais que de l'autodérision. Ouais, mais tu sais, ça va revenir un peu, puis vous êtes pas dans le même créneau, mais tu sais, comme un Frankie qui a pas l'air à l'aise sur scène, mais que pour pas avoir l'air à l'aise, il faut qu'il soit ultra à l'aise. Tu peux avoir de la confiance en toi. Mais je pense que j'ai l'air d'avoir confiance en moi, mais je suis plus un gars taquin. Je suis plus un gars taquin qui a confiance en lui, t'sais. Ouais. Je suis plus un tata qui est comme ah, ouais, on fait des blagues. C'est plus, ce gars-là, mais c'est ça ma confiance. Il n'y a pas de ah, ouais, hein, c'est quoi votre nom, madame? Vous êtes une conne. Je suis pas ce genre de. Je vais vous fourrer, vous, puis votre fille. Je suis pas un crowd worker là, ou un dude showman. J'ai mes affaires, je suis moi-même, fais du mieux que je peux, madame. C'est ça. Sympathique, c'est cool. Oh, oui, c'est parfait. Sinon, ça, t'as fait de l'impro aussi? T'as commencé à quel âge, ça? Moi, en fait, c'est ce qui m'a. Ouais, moi, j'étais pas dans la conversation.
Vas-y, réponds à ta question. Non, mais Chris, ferme ta gueule quand je parle. Hein? Un peu de respect tabarnak. Pour Fluch. Ouais, c'est poilu, ton. Ok, si je commence mon pas, mais... Comment t'as... Ah, oui, oh, il est sale, son chandail, je sais. Non, non, mais c'est parce que, tu sais que quelqu'un est poilu quand tu tapotes sur son chandail puis tu te sens juste une motte, là. Mais c'est ouais. Quand t'as vu 30 fois mon gag que je lève mon chandail. Ah! Il devait être incroyable, mais il m'en rappelait pas. Et qu'est-ce qu'il a dit dans la réparti. Comment ça? En fait, l'impro, moi, c'est ce qui m'a sorti un peu de l'intimidation, je te dirais. Ah ouais? Parce que. Parce que t'avais un local pour te cacher. T'as voulu me faire chier à une back, bitch. C'est cool, la période de l'impro. Ah, man. Non, au moins, moi, j'ai pas fait un esti de show de merde à vie quand j'avais 15 ans. Oh, wow! C'est quoi ça? C'est vrai que c'est un 1 à 1000, l'échelle du talent. Zéro ouais, non, non. J'ai fait ça? L'échelle du méprisant. Ouais, c'était mon premier stand-up à vie à la TV. J'avais une âge toute. Oh, ouais. C'était horrible. Je l'ai en DVD. Vrai? Pour 20 piastres dans mon compte, t'es pas chou. Mais je crie ça sur le Patreon. As-tu payé pour le faire libérer, genre le média que tu puisses l'avoir à toi, genre? Non, parce que je sais que ça marche comme ça, non? Enregistré, là. Ok. Mais tu sais, mettons, toi, là, tu sais, t'as commencé à un certain âge, mais tu sais, toi, mettons, on s'entend, là, ton highlight, c'est Marie Pellement qui se dit que t'es bon. Okay. Non, mais hey, ça prend. Non, mais à 15 ans, ça. Oh, boum, 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 plap, plap, plap. Okay, mais ça prend des bases, pareil, à 15 ans. Ouais, ouais, ben moi, j'avais pas montré mes jokes à personne. Je là. Puis c'est vrai que Marie Pellement, Chris, Dwight, tu te rappelles de ça? Même moi, je l'avais oublié. Mais Chris, j'écoutais ça avec mes parents, hein, pas de vie. Hein, pas d'amis. Ah, t'étais comme juste ça à faire. Moi, je vais être comme c'était lui. C'était après les Simpsons. Ah, ils sont modèles. Chris, je mangeais mes petites patates avec mon steak. Tu sais, j'ai mal à faire, là. Ouais, mais excuse-moi. Ah, oh, man, c'est drôle, ça. On a comme dérouté un peu, là, mais tu parlais de l'impro, c'est fait que t'as donné une forgé une personnalité plus, puis... Mais en fait je suis rendu sur la 4, j'étais en mode de... Genre, ma vie, c'est un peu du crise de cul, puis j'ai pas envie de finir comme certaines personnes ou mes sœurs qui sont parties du secondaire en se disant « Est-ce que c'est de la merde, le secondaire? J'ai rien appris. » Fait que j'étais comme... Je vais pas finir sur une mauvaise note. Je vais essayer de m'en sortir jusqu'à un certain point. Puis, tu sais, j'ai essayé de m'adapter dans tous les styles possibles pour fitter, puis ça marchait pas. Tu sais, j'ai été skater, j'ai été emo, j'ai été fresh, j'ai ouais. été douchebag. Tu sais, j'ai déjà pesé 186 livres de muscles juste pour essayer de plaire aux gens. Puis, à un moment donné, j'ai juste fait fuck off. Puis, j'ai arrêté de me tenir avec les stoners qui me riaient de moi constamment parce que c'était les seules personnes qui m'accordaient de l'attention. Puis, toutes les autres, ils me parlaient pas. Fait que j'ai fait fuck up. J'étais allé au camp d'impro de l'école. Puis, ben, je suis rentré dans l'équipe. Je me suis fait deux amis qui étaient en théâtre. Fait que là, j'ai commencé le théâtre dans la troupe. Puis, après ça, j'ai été en option théâtre. J'ai embarqué dans l'équipe d'impro de l'école. J'ai été dans l'équipe d'impro de la maison de jeunes. Puis, une année après ça, sur R5, je me suis retrouvé capitaine des deux équipes d'impro. Puis, je me suis retrouvé premier rôle dans le troupe de théâtre puis option théâtre. Puis, c'est là que je me suis fait des amis puis que les gens se sont mis à me parler. T'es comme le GSP de l'humour. C'est grâce à l'intimidation... que tu fais ça maintenant. Ben, c'est cool. Moi, en plus, c'est drôle. C'est ça, je dis ça au monde, ils trouvent ça drôle. Mais moi, une mise d'ol dans la vie, c'était GSP. Moi, ah, pour vrai? Moi, je trippe sur les cons. Il y a inspirant. Oui, mais moi, quand j'étais au secondaire, je faisais boulier, genre, je coupais les... je coupais les rubriques d'un journal, mettons, 24 heures, quand il y avait ces combats, tu sais. Puis j'y mettais sur mon babillard. C'était pas dans ma chambre, hein, proche de mon lit. Dans ta chambre, ouais. C'était plein de monsieur musclés. Avec du sang. Hey, tu mettras ça avec GSP. Tu mets la tête de GSP aux deux. Là, c'est comme un Inception de 69 de GSP. Non, mais ça, puis je sais pas. Tu sais, moi, ça m'a beaucoup inspiré sur ce côté-là. Puis pour vrai, ouais. Tu sais, moi, en fait, j'ai... Je sais pas comment dire ça, c'est l'impro m'a aidé à me dire que je pouvais faire de l'humour. Puis le tout en tant que tel a juste fait en sorte que, tu sais, à la fin de l'année, il y a tout le temps un bal définissant avec des remises de prix, tu sais. Ouais, ouais. Puis, tu sais, je suis passé du double que personne connaissait, puis tout le monde niaisait, au gars qui était dans les trois nominés des plus drôles, tu sais. Ah, ouais. Fait que, tu sais, j'ai cool. Travaillé même fort pour essayer de m'en. Ouais, mais moi, en fait, normalement, le plus nice, je trouve, c'est... Si vous rappelez-vous des genres de cours d'éthique et culture religieuse, morale, enfin, ouais, 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 avec un prof qui est un peu. Le cours qu'on écoute des films. Ouais, qui demande des genres de documentaires pas clairs sur. Ah, moi, stéréo, hein, qu'est-ce que vous en pensez, ce genre d'enfant là. Puis, un moment donné, on était pendant un cours, il nous a demandé de tout prendre une pupitre et se mettre en rond. Puis, il nous a mis des qualités
Puis ah, c'était... Il amène des qualités, puis dans le fond, il demande au monde, tu sais, qui est gentil, qui vous conseille comme généreux, tu sais, qui vous dites qu'il est pas, tu sais, comme il est ci, il est ça. Mais moi, au moment, moi, à ce moment-là, quand j'étais au secondaire, je postais des statuts drôles. Je postais des blagues, parce que j'avais mon coach d'impro qui faisait les cours du soir à l'école, puis il m'avait imprimé toutes les procédures humoristiques. Moi, j'ai commencé à écrire des blagues, puis. Non, il était dans les cours du soir, lui. Il avait payé pour être dans les cours du soir. OK, ouais. Puis, dans le fond... À l'école de l'humour, ça. Ouais, c'est ça. Puis, il m'avait imprimé les procédures humoristiques. OK. Puis, j'écrivais des jokes à ce moment-là, puis je les écrivais sur Facebook. Puis, quand le mot passionné est sorti, tu sais, la qualité, bien, tout le monde a nommé mon nom. Puis, c'est là que j'ai fait... Ah, oui. OK. Puis là, j'ai fait comme, OK, une reconnaissance. T'as pleuré. Pas pleurer, mais pas sur, tu voulais dire pas sur le coup. T'étais ému. Non, pas sur le coup. À la maison, j'ai fait triste. Il y a des gens cool. Qui me respectent des fois. Ouais, ça, c'était cool, tu sais. Mais ouais. C'est ça qui s'est passé. Fait que l'impro. Mais l'impro, j'en fais plus vraiment. Mais tu sais, je garde ma répartie sur scène quand ça va pas bien maintenant. Avant, je l'assumais pas. Maintenant, je l'assume. Fait que c'est cool. Là. Ah, c'est nice. T'as-tu fait les Punch Club et ces affaires-là? Non, du tout. Mais j'ai vraiment arrêté l'impro. J'ai fait de l'impro. Dans les bars, à la Lige, pendant jusqu'à mes 19, tu sais, de 18 à 19 ans. C'est où la Lige, déjà? C'est ça au Saint-Su, ça? Non, c'était dans le temps, c'était genre au... c'était quoi le nom de la place? Proche du métro Berry. Union Française. Il y avait ça avant, puis là, ça a changé de place. Puis là, c'est rendu aux As, je pense. Ah, justement. Ça se peut, c'est rendu aux As. Maintenant, il y a comme une ligne, puis c'était ça. Puis après ça, j'ai fait... Non, tu sais, moi, ça me nuisait plus mentalement... face à mon écriture, de faire de l'impro. Je sais pas pourquoi, on dirait que mon cerveau se mélangeait puis il était plus en mode « je veux puncher ». Fait qu'il a vraiment fallu que je travaille un peu sur moi-même pour faire comme « je veux écrire plus sur quelque chose ». Vas-y. Non, je dis puis en même temps, ça doit être plus cool, là, mettons, genre que tu ne laisses pas juste pour sur toi, là, puis que ce soit pas genre ça les pads. Je l'ai coupé pour ça, c'est c'est exactement ça, mais si ça a commencé à couper, je suis comme « non, non, c'est pas c'est totalement ça, en fait, parce qu'à un moment donné, tu sais, tu dis... Je sais pas, man. Moi, j'étais tanné de l'impro. J'étais tanné du côté un peu trop. J'essaie de me prouver. Parce qu'il n'y a pas tant de quête envers moi-même en faisant de l'impro. Là, c'est vraiment plus des gens qui sont des personnages, qui essaient constamment d'être drôles. Puis moi, j'étais comme. Non, là, j'ai envie de parler de ma dépression avec Alexandre Forêt en coulisses du spectacle. Là, on monte sur scène, puis on est heureux. On est ferré. Ça me ressemblait plus. Puis, tu sais, je sais pas, j'étais trop porté aussi à être. Moi, j'étais le puncher dans l'impro. J'étais celui qui punchait dans les. Ouais, le motherfucker qui arrive à la fin de l'impro puis qui punch. Ouais, j'étais. Bon, la même chose. On m'appelait la pute à rire. On m'appelait la pute à rire, ouais. C'était celui qui venait de puncher pour les trucs, mais. Ouais, mais je l'aidais pas tant que ça au final, mais. Fait que tu sais, je sais pas. Ça m'a plus pas tant aidé, mais ouais. C'est vrai que tu l'aidais pas tant que ça ton équipe ou là c'était juste pour te réduire? J'étais pas un leader. Moi. Non? Alors moi, quand ils m'ont mis capitaine au secondaire, à l'école, puis à la maison de jeunes, j'étais pas bon. Hein. Ah ouais. Moi, c'est parce que. Tu sais, j'avais vécu du bullying. Tout mon primaire, puis secondaire 1 à secondaire 3. Fait que là, j'étais en mode de... Non, mais là, je mange plus mes mots. Fait que j'y rentrais dans le monde quand c'était mauvais. J'étais le pire capitaine. C'était toi qui devais... J'ai déjà fait pleurer une fille au secondaire. J'ai fait pleurer Juliana, je me rappelle. T'as-tu honte de ce moment-là? J'avais dit ton frère serait pas fier de toi. Puis son frère, je le connaissais. Puis elle, a pleuré pour ça? Ben, son frère, il venait de se suicider. Non, c'est parce qu'il reste pas... C'est clair. Ça aurait été malade comme réponse. Lui, il a une bonne répartie. Ouais, mais je veux pas, dire que quelqu'un est mort quand il est pas mort. Oh, ouais. Il travaille chez Couchetard, par contre. Il est bon pour parler aux gens. Couchetard est pas fier de toi, ça fait mal. Non, mais c'est parce que je savais qu'elle avait accordé beaucoup d'importance à son frère. Puis là, j'étais comme, peut-être ça va la frimer puis de l'aider. Non, ça n'a pas aidé. Ça a juste fait comme un, mais qui avance pas. J'ai été médiocre encore plus que je le pensais. Tu sais, c'était ça que ça avait. C'est à ce moment-là que t'as laissé ton rôle de capitaine? Ben, de psychologue au minimum, j'espère. Mais c'était weird parce que non. Non? Non, mais c'est moi. C'est ça, j'étais rendu à un point où je comptais tellement. J'ai laissé faire toutes les comparer. J'allais dans un mix gagner un point. Fait que je savais que j'allais gagner tout seul. Mais juste en plantant les autres. Ouais. Je faisais la même chose. Je punchais. Mais des fois, là, je pétais les impros en punchant à la fin, en trouvant le punch out. Ouais. Puis je gagnais tout. Puis ça m'a aidé fois mille.
Mais d'un compagnon, j'ai laissé vivre, tu sais. J'étais comme non, là. T'envoyais-tu l'histoire, être créatif sur le coup, fuck that, qui est la base de l'impro, en fait. Mais là-dessus, t'es exactement le même type de joueur, puis c'est pour ça que j'en fais plus, moi non plus. Non, mais je me sentais. Je sais pas. Tu sais, je pense qu'en dehors, j'étais vraiment une bonne personne, mais à l'intérieur du jeu, j'étais. J'étais vraiment juste là pour faire. T'envoyais-tu la fille faire aller chanter, genre? Ah, non, moi j'adorais les chanter. Ouais, t'aimais ça? Hein? Ouais, moi, les rimer et les chanter, j'étais incroyable. Je me chiais dans les culottes quand j'entendais chanter. Là, moi, je peux rimer sur comment, n'importe quoi. Ah ouais? Rimer, ça va. Chanter, moi, je me sens pathétique. Même non, mais moi, je suis un bon chanteur. Moi, dans les karaokés, tu te dis, ce gars-là, il avait du temps à perdre. Ah, ben, karaoké, ça va. Karaoké, moi, je te pète du M&M, c'est bien chill, j'ai l'air glorieux. Ouais, puis on se rappelle que t'es blanc. Non, l'impro chanter, ça sonne comme une comédie musicale. C'est l'estime. Parler en chantant, c'est horrible. J'avoue que le fait de chanter tes émotions... Marco, veux-tu une banane? Oui, je veux une banane. Arrête, là. Ouais, j'étais pas si médiocre, mais ouais. Non, mais là, je faisais deux personnes. Me forçais, moi. Il justifie. De quoi, je vais gérer ma quoi? Non, une chantée. Une chantée dans un podcast. Personne veut ça, c'est-tu. Des Cheetos puis une photo d'hommes qui se font des fellations. J'étais sûr que t'allais partir. Et c'est le temps. Attends, je vais aller chercher mon couple de cuir. Je vais peut-être aller faire pipi, c'est correct ou c'est. Ouais, un peu de la merde, mais. On peut faire un break cigarette tout de suite. Bon, on est de retour. T'avais de quoi? Fait que Fluke, parle-nous du Miami Deli. Quel... Ah non, pas le Miami, le légendaire. Non, mais si on c'est génial, s'il te plaît. Comment t'aimes le menu? Ah, c'est des enfants, ouais. Moi, j'ai essayé de commander un hot dog. Ta gueule, l'hostie. Après, j'ai moi, quand j'y allais, je me commandais tout le temps des escargots gratinés, genre à 4 heures. Non, mais le matin. C'est ça le problème, l'hostie. Ça me penche. Moi, ça me penche. D'ailleurs, on peut manger des escargots gratinés, mais pas de hot dog. Il n'y a pas de place pour les pains hot dog. Ta gueule, madame. Il n'y a pas de hot dog? Moi, je me suis pogné avec une madame, j'étais fâché. Moi, ça me penche, ces enfants-là. Chris, t'as des cheese. Burger, t'as des calmants frits, t'as des escargots gratinés. T'as des brochettes de poulet. Mais, tabarnak, tu peux t'acheter des pancakes, esti, quand tu veux, mais non, pas de pain pour là-dedans. Tu sais, comme ça me passe. Les pogos! Est-ce qu'il y a des saucisses? Ah, mais I guess c'est juste parce qu'ils veulent pas avoir le steamer. Mais moi, non, moi, je me suis pogné avec une madame, là. Bon, si je me pogne pour rien, mais c'est correct. Non, mais en même temps, j'étais suis de roi. Ah ouais, t'es caché dans les toilettes. Mais, si est-ce qu'ils ont des saucisses? Est-ce qu'ils ont des saucisses? Oui, ils ont des saucisses. Ils en mettent dans les déjeuners. Oh, mais c'est les saucisses hot dog ou c'est les saucisses? Il y a les saucisses hot dog, il y a les saucisses italiennes, ils ont toutes ces astuces. Ah ouais. Comme, tu peux avoir ce que tu veux, mais tu peux pas avoir hot dog. Au pire, il fait juste des peintres. La madame était fâchée contre moi. Je me disais, non, mais là, monsieur, penses-tu qu'avec tout ce menu-là, on a encore de la place pour les pains hot dog? J'étais comme, hey, peux-tu me donner deux saucisses, plier le pain, hein? Ah, tu utilises les toasts, puis elle m'a fait, non. Puis elle était fâchée. Ah, pourrait? Oh, cherche-moi un burger, la viande vaut plus cher. J'étais, ouais. Hey, ça, c'est le genre d'affaire qui me donne le goût de me battre. Moi, là, hey, pas de hot dog. Chris, le pain, il doit avoir un four rapide. Je pense qu'ils font des pids. Chris, ton pain hot dog dans le four rapide. Les bonnes pids, là. C'est celles que quand ils livrent, ils vont d'un côté. Là. Ouais. Ils coulent dans. Ça me fâche. J'ai un prix de pids là-bas pour eux. Non, mais c'est parce que tu payes. Là, moi, comme Chris, tu m'offres tout ce que je peux avoir dans une vie. Je suis persuadé que quelqu'un qui est genre en prison à vie, tu lui donnes ce menu-là. Il est plein de merde, là. Ouais. Mais comme, il n'y a pas d'hot dog. surtout, tu lui donnes l'option de te le faire. Au pire, change-moi ce que tu veux, mais genre, elle dit non. Hey, mais la fille, elle doit pas être heureuse. Crime, ils ont des gaufres, là. Si tu peux. Ouais, j'ai une amie qui fait ça. Ils ont des gaufres, comme frites, genre, vraiment frites, que tu peux mettre avec la béchamel, mais ils n'ont pas de hot dog. Du pain avec une saucisse. Prends la saucisse que tu mets dans tes hosties de déjeuner. Prends-moi une toast, plie-la. Ah Chris, ouais. Ketchup, la moutarde, 5 mois patience. Ben ouais. C'est Cynthia. C'est ça son hostie, non. Madame avec les cheveux. Va regarder ton name tag, si je veux te reconnaître, ma tabarnak. C'est drôle, une année, on allait souvent regarder voir les shows pendant Zoufès, genre, puis on revenait dormir chez le frère Mablon, puis il y avait de chaque côté. Fait que souvent, il y allait, puis. Il y avait un autre chum qui est sur le podcast, mais il n'est pas là à soir, là, Matt, là, genre,
Asti, il foutait la merde, puis après, il était en tabarnak qui était chaud, genre. Ça veut dire qu'il pognait toutes les affaires, puis faisait qu'il les crissait à terre, puis genre, tu sais, il pognait du ketchup, puis il en mettait sur la table. Tu sais, vraiment une attitude d'enfant. Puis là, genre, après, il arrivait, puis là, il y avait le monsieur qui nous enlevait le stock. Puis là, il était juste en tabarnak en disant, genre, ouais, ben le Chris, il est ouvert à 24 heures, ils s'attendent à quoi? Comme si c'était normal, genre. Mais le pire, c'est qu'avec le Miami, moi, ils m'ont déjà envoyé chier une fois aussi. Puis j'avais fait une bonne action en plus. C'était pas légitime qu'il m'envoie chier. Ouais. Genre, j'ai appelé pour commander, puis t'es rendu vraiment tard. Puis j'étais assez. J'étais quand même décalissé. J'appelle pour me commander un truc. Là, je raccroche. Puis là, je suis comme, moi, non. C'est clair, je m'endors. Là, je suis trop sous. Mauvaise idée de commander. Fait que je rappelle tout de suite après. Puis je disais, hey, finalement, laissez faire, là, c'est sûr, je vais m'endormir avant que ça arrive. Puis elle est comme, ben là, tabarnak, là, c'est un niaisage, je vais barrer votre numéro. Puis là, j'étais comme, puis là, j'étais sous en plus, puis moi, je voulais faire une bonne action. Fait que j'étais juste comme, voyons, ma grosse truc, c'est quoi ton problème, t'es Chris? Barre-le mon numéro, grosse conne. Mais t'es comme, hey, c'est pas une manière de me parler. Je suis comme, c'est toi qui a commencé. Hey, pauvre, toi, tu pourras plus avoir de calmant frais. Non, après, on commande de chez la mère, qui a un excellent restaurant 24 heures aussi. Ouais. Un excellent restaurant et beaucoup de machines pour jouer. Ah, ben, je ne joue jamais là. Je fais livrer. Ben, je te le souhaite. Il n'y a pas y aller. Là, mais c'est un comptoir, genre. C'est un comptoir. Un comptoir. C'est un comptoir à bouffe. Il y a quelques deux étages. Ben, chez la mer, voyons, tabarnak. Ben, oui, ben non. C'est juste à côté du couche-tard, proche de. Il y a eu des rénovations, puis tout le monde dit que c'est un comptoir maintenant. Christian, méchante rénovation. On va enlever un étage et demi. Le non, tout ce qu'ils ont enlevé, c'est les hot dogs. ça me chez la mère, il y a des hot dogs. Ben oui. Hein? Parce qu'une mère, c'est capable de faire des hot dogs. Ah oui. Cynthia, fuck you. Mais sérieusement, est-ce des sujets que tu allais d'entendre parler? En même temps, il y a des sujets, j'imagine, qui reviennent souvent. Ça, c'est une belle question, Marco. Ben merci. Bravo. Prends de guerre, prends de pied. C'est quoi l'expression? Prends de cours, c'est ça, non? Ouais, je pense que c'est ça. Tu me prends de cours. Ça sonne moins bien que je pensais. Ouais, mais je pense que c'est des sujets que j'ai. Je sais pas. Y a-tu vraiment un sujet qu'on. Moi, je pense que ça dépend de la manière que tu traites le sujet. Ouais. En fait, moi, je pense qu'il n'y a aucun sujet qui est trop. Je pense juste que. Je sais pas. En fait, c'est parce que chaque être humain a sa propre manière d'amener les choses. Si tu copies complètement un email quelqu'un, ouais. Et là, tu l'as refait. Non, mais pas voler un gag, non, là. Non, mais comme. Mais tu sais, si ta manière de l'amener est différente, puis t'as une perception différente, t'as un âme différent, t'as des idées différentes, t'as un vécu derrière qui est pas la même. Tu sais, ouais. On veut pas tous amener la même chose au final, là. Oui, on a des opinions qui peuvent être semblables. On peut vivre des moments semblables dans la vie de chaque être humain, mais au final, sans coller, ouais. c'est toi. C'est ça, y a-tu des procédés que t'es tanné, genre, des procédés que t'entends pis que tu trouves shit un peu, genre? Des procédés, je trouve shit. Ben, tu sais, moi, je peux dire un truc pis là, je me sens pas mal, mais je l'ai entendu tantôt de Mike Ward pis j'étais comme, est-ce que je suis d'accord? C'est dans un des Vous Écoute qui parle avec Jean-Thomas Jobin. Est-ce que vous me connaissez, alors? Ouais, à chaque fois, un humoriste arrive sur la scène, il est comme, paradoxalement, qui me connaît? Puis là, personne applaudit, puis il est comme, puis là, il fait une face de c'est pas obligé de autant le dire. Ou qui me connaît pas, puis là, tout le monde applaudit, puis il est comme, je vous connais pas, moi non plus, esti. Ah, ou sinon, ça, c'est drôle, ça. Mais puis ça, pour vrai, puis ça je l'ai déjà fait, il y a peut-être 6 ans, c'est ça le pire. Puis j'ai arrêté de faire ça. C'est ça, à l'échelle du talent. Non. Mais il fait mal à trouver ça drôle, ça y est. Il y a 12 millions d'humoristes qui font à peu près le même gag, mais pas amené de la même façon. Ouais. Mais tu sais, je l'ai écouté tantôt, Mike en parlait, puis j'étais comme, ouais, moi aussi, je pense ça. C'est vrai que c'est ridicule, là, à quel point, genre, tout le monde sort ça. Fait qu'en mettre le doigt sur un, ça serait ça. Sinon, pendant un bout, il y avait beaucoup, genre, juste tout le monde qui faisait des règles de 3. Moi, je me suis tanné, je fais des règles de 4. Maintenant, ça change absolument rien, sauf que je dis une information de plus. Fait que, mettons, un comédie gay qui m'écoute, il pense que le punch va être à la règle de 3, mais non, c'est après. Mais tu sais, ça, c'est vraiment juste comme, me semble que c'est trop long. Non, ça prend 2 mots de plus. Mais non, mais mon Dieu, ce gag-là est vraiment long. Tout le monde s'est dit ça dans l'autre fait. Moi, je sais pas, il n'y a pas... C'est parce que, pour être honnête, tu sais, c'est que... Moi, je suis comme... semi le stand-up. Dans le sens que, tu sais, j'ai été un fan d'humour québécois, mettons, plus jeune. Puis en arrivant, mettons, à en faire, parce que tu veux manger le plus d'humour possible pour assimiler et comprendre les bases, mettons. Mais maintenant, tu sais, quand tu fais des shows, tu vois tellement de monde que je suis comme en mode de...
J'écoute pas tant de stand-up. Hein. J'écoute des trucs drôles. Des fois, tu mettons l'affaire d'Open Mic 2, je l'ai écouté, tu sais. Mm-hmm. L'Open Mic 2, j'étais comme, ah, c'est nice. Ça offre un concept un peu différent qui nous amène dans l'univers de personnes qu'on connaît semi-souvent. Tu sais, il y avait des nouveaux visages qui sortaient un peu des normes générales. Puis j'étais comme, nice. Enfin, il y a ce genre de contenu-là qui nous est offert. Mais à part ça, tu sais, même les gars-là, j'écoute semi pour la simple et bonne raison que, tu sais, pour un fan d'humour, je suis pas sûr que c'est incroyable dans le sens où il y a tellement de coupures dans le temps d'un humoriste que tu sais, si tu connais le gars et tu l'as vu dans un show, tu sais qu'il vient de couper 2-3 minutes, ou qu'il vient de couper là, qu'il vient de couper là. Fait que là, t'es comme, man, j'ai pas tant de plaisir, tu sais. Fait que moi, mon plaisir, c'est vraiment plus de. Je sais pas. En plus, je pense que c'est plus simple pour moi de pas écouter trop de stand-up puis de me concentrer sur moi-même. Alors que je connais un peu les bases de comment écrire mes trucs, puis de l'amener en moi-même pour pas me pousser à m'inspirer des autres autour de moi. Pas inconsciemment recopier du monde, genre. Non. Je pense que c'est un smart move. Tu consommes-tu un peu d'humour américain? Je pense que tu consommes-tu un peu de weed? Ouais. Non. Elle brûle pour point comme ça. Puis avoir peur de mourir. ouais, je te fie là-dessus. C'est drôle parce que moi, on dirait que dans toutes les situations, on m'offre de quoi? Je dis non. Tout le temps un lien avec le fait que j'ai peur de mourir. Mais c'est un pattern pour faire une joke parce que t'es mal à l'aise, genre, ou c'est vraiment parce que c'est ça? Ben non. Question profonde. Par contre, il est solide à ce soir. Non, mais pour vrai, j'ai bien dormi. Là. J'ai juste vraiment peur de mourir continuellement. Moi, je suis moins peur qu'avant, mais j'ai pas mal toujours. Ouais. Ouais. C'est tout. T'es pas comment. Si on parle ailleurs, c'est vrai. Non, mais c'est correct. Non, mais l'humour américain, c'est ce que tu disais là, avant que je parle de moi. Ouais, t'as consommé un peu? Pas tant. Mais comme. J'aime, mettons, tout ce qui est émission ou série américaine. Avec les. Tu sais, la manière dont c'est monté, je trouve qu'il y a quelque chose de tellement plus punché souvent comparé aux séries québécoises. Série télé, tu parles? Ouais, série télé. Mais tu sais, mettons, tu check des. Tu sais, je suis un gros fan de The Office. Ouais. J'ai longtemps. Ouais. J'ai été fan de Friends. Tu sais, puis tout des affaires. Même, tu sais, mettons, Big Mouth. Ouais, bon, en tabarnak. Moi, tu sais, ce que j'aime, c'est que c'est punché au pied carré. T'sais. Moi, c'est ce que j'aime. Ouais, que... comme 4-5-0 chemin du golf. Ouais, là, c'est... Mais moi, c'est quand Jean-Michel, il rentre, là. Moi, ce que j'aimais, c'est qu'il y avait un roux, il était drôle, là. Hey, ouais, le roux dans l'émission, sa blonde était rousse. Hey, ça, c'était les meilleurs gars. C'était pas dans Petite Vie, ça. Hein? C'était pas dans Petite Vie, ça. Non, François Mascotte, il est roux. Sa blonde était roux. François Mascotte, il est pas roux. Ouais, il est un peu roux. Ah, mais ouais, j'avoue, moi, je le voyais plus comme blond. Mais je comprends ce qu'il veut dire par roux. Mais il faisait constamment des gags. Il est blond avec des reflets, mettons. Il y avait des gags constamment qui se... Il est pas vraiment roux. Moi, quand Sylvain Marcel est parti... I guess ça doit être des jokes de Carrot Top qui a volé. Ouais. Non, mais moi, j'ai fait des jokes sur le fait qu'il était roux, brun, blond. Il en volait tellement de gags. Il faisait le tour de la palette de... Non, mais moi, j'écoutais souvent... C'était weird. Moi, j'ai trippé beaucoup sur Piment Fort parce que mes parents mettaient tout en cassette. Fait que toutes des vieilles émissions... Il avait enregistré Piment Fort? Moi, mes parents avaient plein. Mes parents, dans le temps, il y avait comme un genre de remise. Puis c'était juste des cassettes. Puis là-dedans, tu pigeais des fois, juste les samedis soirs, parce que j'avais pas d'amis. Oh, ouais, c'est comme le 15 juin 96, TQS. Non, mais ouais, il y avait des affaires de même. Puis tu sais, ça, c'était nice. Mais je sais pas. C'est pas j'ai quoi, mettons, contre les séries québécoises. En fait, je pense que maintenant, ce que j'aime, tu sais, ou surtout avec les web-séries, c'est que tu le vois là, que la formule est là. Tu le vois qu'il y a un vouloir beaucoup plus de créer une vraie comédie ou quelque chose de vraiment drôle. Mais quand tu checkes kilomètre heure, histoire de fille, tu te dis pas, hey, ça, c'est un chef-d'œuvre. Tu sais, c'est sûr que ça a vraiment mal vieilli. Je suis pas capable de me dire, dans le fond, me dire à l'époque à quel point c'était drôle, tu comprends? Parce que j'étais vraiment jeune, genre, pour écouter ça à ce moment-là. Mais moi, j'écoutais Catherine. Catherine. C'est une bonne émission. Là. Avec la fille qui jouait dans une galaxie près de chez vous. Ouais, c'est une vie morose, je pense. Ouais, exact. Ouais. Puis ça, je l'ai écouté. Est-ce que vous êtes déjà crossé, excusez-moi, en pensant à Sylvie Moreau? Est-ce que vous êtes déjà arrivé? Non, jamais. Moi non plus. Ok, c'est plate que tu as amené cette question-là, mais qu'il n'y a pas vraiment de. Non, mais moi, je l'écoutais dans une galaxie près de chez vous. C'était tout sauf érotique. Là. Mais c'était avant, dans la première saison. La première Valence. J'aimais mieux Sylvie Moreau que l'autre, moi.
Non, mais c'est sûr que l'autre, elle jouait vraiment mal et elle n'avait pas beaucoup de talent d'actrice. Ouais, mais la première saison, non. La première saison, non, t'avais pas tant de talent d'actrice. En tout cas, je trouve son jeu. En même temps, il y a deux personnages qui ont crissé le camp. T'avais Mirabella, Falbo, le mercenaire qui buvait du lait au chocolat puis qui devenait excité. Tabarnak. Ouais, puis il avait bu Bob une fois. Ouais. Je me rappelle encore, ça m'a traumatisé. Non, pour elle, le personnage. Je ne voulais pas qu'il me boit. Mais ça a bien vieilli, pareil. Moi, j'ai réécouté des. Mais ça, ça a bien vieilli, je trouve. À part, mettons, des référents de Mars. De joueurs d'hockey. Ben, tu vois, moi, je l'ai écouté peut-être en genre 2010, peut-être 2011. Genre, je trouvais que c'était encore bon. Puis j'ai réécouté il y a 2 ans, je trouvais que c'était à chier pour rien. Ben, c'est peut-être que ça avait pas des épisodes. Là. Ouais, mais j'avais la saison 1. J'avais la saison 1 en mais DVD. C'était quoi déjà le shit de Guillaume Lepage là, qui jouait dedans, qui faisait un couple là. Un gars, une fille. Ouais, ça c'était quand même bon. Ça, ouais. Ça c'était cool. Ouais. Mais, ouais. Un gars, une fille. Je sais pas si ça a bien vieilli, j'ai pas réécouté depuis. Mais ça fait longtemps que j'ai écouté ça, mais c'était quand même bon, me semble. Mettons quand je regarde ouais, ça, c'est que ça a sèche des fois au Canada dans les reprises. Là. Mais ça a reprise genre à une certaine heure par rapport. Là. Mais moi je trouve que. C'était crissement punché, c'était drôle. Il y avait des liens que tout le monde pouvait se reconnaître, sauf que maintenant, tu mets ça aujourd'hui à la télé, puis t'es comme... Ouais. Ah ouais, mais les gens veulent plus vraiment voir c'est quoi une fille et un homme. Là. C'est comme, ouais. Tu sais, il comme ouais, tellement mais c'est parce que ça devient des jokes faciles, puis ouais, ça devient des relations. Ouais, mais parce qu'il y a d'autres mondes qui ont fait les mêmes types de jokes, mais ça, j'ai appris que là-dessus, Guillaume Lepage, le nombre de cash qu'il reçoit là-dessus, ouais. Parce qu'il a comme vendu les droits des reprises sur je sais pas combien d'années. Ouais. Fait qu'à chaque année... Il y a comme un esti de gros chèque d'un gars une fille encore, puis ça fait comme 10 ans. Ouais, c'est puis ça a été, le concept a été vendu dans plein de pays. Fait que si eux autres sont des reprises, ouais. Ben lui avec, il y a des redevances là-dessus. Et voilà. Mais c'est avec son contrat, parce qu'en fait, il a réussi à faire une bonne tweet dans son contrat. Puis ça, faudrait savoir Guilla, on se barre le casque. Ben oui, l'invitation est lancée. Ouais, mais Catherine Dorion l'a eu, par exemple. Ah oui, mais t'as hâte de le connaître. Ben, je sais pas. Non, mais lui, il disait qu'il était intéressé à faire plein de podcasts, mais personne n'y a fait d'offres. Mais... Même Mike, il avait pas fait d'offres parce qu'il se disait, Guilla va dire non. Mais tu sais, Guilla Lepage, sa vie, techniquement, est assez relaxe. Il fait tout le monde en parle. Ouais, puis c'est ça, il fait le montage. OK. Ben fait oui, ça fait qu'il travaille la journée qu'il enregistre, puis peut-être une autre journée quand il assiste au montage. Fait qu'il travaille comme un 2 jours semaine. Le reste, ben, il est rendu là aussi. Là, puis ça, c'est tout à son honneur. J'aimerais ça, faire ça moi aussi en tabarnak. Là, être à sa place, je ferais la même chose. Plus des shows. Là. Mais mettons, ben, on pourrait... Pas mal sûr qu'il nous jugerait quand il arriverait en avant de chez nous. Là, il serait comme, ouais, c'est ça. Chris. Non, je ne jugerais pas. Là. Non, je pense pas que tu si s'il nous juge, on va le juger pour Danny. Ça serait hâte qu'il amène sa propre chaise parce que les notes le dégoûtent. Non, tout le long, on fait écouter de la pop et on dit Tu trouves-tu que c'est bon, lui? il sait que c'est un peu moyen. Ben, j'espère. Il a fait ça pour triper. Mais c'est sûr, sur le plateau, ils ont écouté le film après l'avoir enregistré, puis ils étaient comme, ah, si que c'est drôle. Puis après, ils ont. Ah, ben non, là, ils ont juste fait ça en liaisant en disant, c'est correct. Puis c'est sûr, là, ils sont tristes. C'est une grosse joke, là, pour elle. Oh, wow. Mais en tout cas. Je me demande si sur Camping Sauvage, le réalisateur était juste vraiment malaisé de dire ouais, c'est de la crise de merde. Moi, j'ai déjà aimé ce Camping Sauvage. Moi, je trouve ça bon, par exemple. Moi, je l'ai aimé, ce film-là. Puis c'est mon film de gag un peu souvent. Des fois, quand tu fais de la route longtemps, il y a du monde qui se met à jouer à des jeux de genre, OK, t'es sur une île déserte, quel film t'amène? Puis là, tout le monde dit genre, OK, Pulp Fiction, all right, Fight Club. Moi, je l'aimerais tout le temps Camping Sauvage. Ouais, j'avais aimé ça à l'époque quand c'était sorti, puis je l'ai réécouté malheureusement. Okay. Attends, il y a des gens qui. Leur jeu, c'est de demander quel film tu vas venir sur une île déserte. Ben, quand tu fais de la route longtemps, ouais, là, des fois, ça arrive ça. C'est pas mes jeux préférés. Mais vous avez pas mettons, de système de son. Si je suis passager, je vais jouer. Ben, en fait, c'est arrivé une fois. Une fois, j'étais avec Jerk. Ok. C'est un jeu-là qu'on utilise souvent, là. Hein? Une fois avec un autre. Mais ouais. C'est pire. Mais j'avais le même job Camping Sauvage, par exemple. Okay, parler de vos pires relations sexuelles, c'est parler de quelque chose de... J'ai vu Money Check Jerk, on avait fumé du weed, puis il était comme, ouais, si tu pouvais avoir un pouvoir, ce serait quoi? Comme, mais déjà, ça, c'est plus... question. Déjà, ça, c'est plus intéressant. C'est ça. Un bon jeu de route à jouer. Hey, quel bon DVD t'amènerait sur une île? C'est juste plat comme une île. Bon, je suis désolé, je pense que je suis... OK. Ouais. J'ai des refus gastriques. Mais non, mais... Tu sais, Tom, ça?
Non. Non, lui, c'est faire les tomes. Ça, ça va pas mal. Prendre de la vodka pour faire passer. Veux-tu un hot dog? Ouais. On a ouais, mais tu sais, finalement, t'es pas. Si t'écoutais pas du stand-up américain, t'écoutais plus pas des tant séries, que ça, t'sais. Non. As-tu écouté Brooklyn Nine-Nine? Ils ont sorti une nouvelle saison? Ouais. 3-4 épisodes. J'ai pas. Ouais, moi, c'est des trucs un peu plus. Un peu plus what the fuck qui me font vraiment rire. C'est mettons. Eric Andre Show, t'as-tu écouté ça? Ouais, ça, je trouve ça, très drôle. Ça, c'est très drôle. Sinon, l'émission avec Nathan Fielder de Nathan For You, dans le fond, c'est un dude qui. Tu sais, qui. Dans le fond, c'est sur Comedy Central, la chaîne. Puis. Ouais. Puis. c'est un. Dans le fond, c'est un Canadien qui a fait du stand-up, puis tout. Puis, il est quand même très drôle. Mais, tu sais, il était pas tant reconnu pour ça. Mais son concept de show, c'est qu'il a étudié pour être représentant en vente, puis aider les entreprises à comme se repiler pour aider leur chef de marketing, puis tout. Puis, lui, ce qu'il fait, c'est qu'il donne les pires idées, mais avec des vrais commerces, puis c'est filmé. Puis c'est super. Tu sais, mettons, il a essayé d'aider, mettons, un stand, une place de yogourt glacé, en leur disant, tu sais, c'est quel sujet les gens ils parlent le plus dans la vie, tu sais? La marde. qu'est-ce qui serait drôle, là? Qu'est-ce que ça tirait les gens qui vous aideraient à vendre? Ça pourrait être un yogourt glacé qui goûte la marde. Et il réussit à le mettre. Ils l'ont fait? Oh, oui. Oh, puis, wow. Puis ça n'a pas vraiment aidé. Mais c'était drôle. Vraiment, on a pas les gens étaient comme. Je suis sûr que ça vendrait pareil. Ouais, mais ça vendait. Ben ça fait parler. Tu vends ça en prank, mais ça, genre. Mais ça a aidé. Ça a aidé leur chef d'affaires parce que les gens étaient comme. Ah, on va t'écouter au yoga à 200 en mer. Puis là, les gens y allaient. Puis là, il y avait plus de monde qui y allait. Ouais. C'est con, mais c'est ça. Puis, ouais. Tu sais, il a fait ça. Il faudrait juste que ça devienne leur trademark. Puis qu'ils routinement, genre, ils changent pour une autre assistance. Tu sais, à un moment donné, pire affaire. Il est dans un commerce de. Tu sais, un peu comme CIPC, là, les gens qui arrangent des ordis pour comme reformater un ordi, réparer, enlever un virus ou quoi que ce soit. Puis. Le monsieur, sa business ne roule pas tant que ça. Puis, il est comme... Ah, mais je pense que je sais pourquoi votre business ne roule pas. C'est que les gens pensent que vous allez aller dans leur historique ou dans leur dossier pour voir leur nude. Fait que le truc, ce serait que vos employés et que les clients sachent que ceux qui travaillent chez vous sont asexuels. Fait qu'il a engagé des gens... asexuel, qui avait aucun envie sexuelle de. Fait que, il s'est obligé à engager des gens asexuels, puis ils ont fait construire une petite pièce. Comme ils ont mis une équipe de construire une petite pièce avec genre, il faut qu'ils mettent des gants au travers d'une vitre pour travailler sur l'ordi, juste pour montrer que c'est super. C'est super incroyable. Mais c'est drôle parce que lui, il fait ça tout de manière sérieuse constamment. Il est comme, genre, j'ai étudié là-dedans. Je sais ce que je fais. On ne fait pas confiance. Puis là, c'est drôle. Mais il est super malaisant. Il est super malaisant, mais il y a eu beaucoup de stands qui ont passé. Il avait ouvert un café à cause d'une place, un café qui ne marchait pas. Puis il avait juste pris le logo Starbucks. Mais il avait mis un genre de mot comme absurde. Comme qui riait de Starbucks, puis les gens allaient à cette place-là en se disant que c'était un Starbucks, mais c'était pas un Starbucks. Mais là, c'était juste de quoi d'ironique où ça riait de la chaîne de Starbucks. Mm-hmm. Puis ça a fait les nouvelles, il y a eu plein de membres, il y avait des lignes. Puis ça a aidé le café, puis le dos d'en faire full de cash. Puis là, maintenant, ils sont venus à se faire poursuivre. Puis ils ont arrêté. Là, mais comme, c'est plein de... Ouais, mais t'avais une compagnie de production de cinéma aussi qui faisait ça. Je me rappelle pas c'est quoi le nom du... Il y a un terme pour ça, là, je me rappelle pas c'est quoi, là, mais genre, c'est des affaires comme Sharknado, des affaires de même. Là, c'est du monde qui prennent un film, qui change un mot dedans, puis le film coûte pratiquement rien à faire, puis ils sortent en même temps que le vrai film au cinéma pour que le monde soit confus, puis qu'ils payent pour ça. Fait que finalement, ça devient lucratif, mais c'est comme une grosse fraude. Là. C'était Sharknado, c'était ça? Non, mais cette compagnie-là a fait d'autres affaires, si je me rappelle bien. Sharknado, je sais que c'était pas ça, là, mais genre, je pense que la compagnie qui a fait Sharknado. Faisait des films dans ce style-là. C'est comme si, mettons. Sharknado, on va se le dire, c'est du génie. Là. Ouais, ben oui. C'est autant du génie que Rocket League. Chris, des chars qui jouent au soccer. C'est comme tabarnak. Ouais, mais ils peuvent voler, aller haut. Oui! Hein. Ils ont des jetpacks, les chars. Comme ça, on est en 2000. Ah, c'est vrai, il n'y en a pas de chars volants en 2000. Il n'y en a pas eu. En 2015. Mais les chars se conduisent tout seuls, par exemple.
Ouais, puis aussi il explose des fois entre temps. Ouais, quand t'as les moyens, là. Ouais, c'est sûr. C'est sûr. Il y a genre une personne qui est morte dans son char parce qu'il a pris en feu, genre. Ouais. Ben, en fait, il n'y a pas littéralement. C'est pas parce qu'il a pris en feu. En fait, il était sur le pilote automatique dans sa. Je pense que c'est une Tesla qui a ça. Puis elle a foncé dans un mur de ciment sur l'autoroute, puis le char a pris feu. Fait que la personne, évidemment, est morte. Puis les actions de Tesla avaient chuté comme de. C'était quand même pas mal, là. Je m'en veux plus le pourcentage. Là. Qu'est-ce qui est... Je sais même pas qu'est-ce qui est vraiment significatif. Ouais, mais généralement, quand tu meurs avec quelque chose, c'est outside la compagnie. Non, oui, c'est clair. Ouais. C'est clair. Mais il y a des gros backlash, tu sais, il a perdu quand même pas mal d'argent en bourse à cause de tout ça. Là. C'est comme, ouais, il méritait là, un peu. Là. Ouais, un peu. Ben ouais, mais ça va remonter. Là. Ou c'est déjà remonté. Mais ça c'est déjà finalement... remonté. Ils ont lancé une fusée, puis ils ont fait. Voilà. Quand ils ont vu les deux propulseurs se ratterrir sur place où est-ce qu'ils avaient quitté le sol, ils ont fait. All right, genre, ouais, en crise de l'explosion. Okay, ils vont remettre en vente un lance-flamme, est-ce que vous avez vu ça passer? Hein? Moi, j'ai un de mes amis qui l'a acheté, le lance-flamme de Elon Musk. Là. Puis, il y en avait pas. Il a payé beaucoup. Quoi, Asti? 20 000? Non, c'était vraiment moins cher que ça. Mais il y en avait à peu près 20 000 là, disponibles, genre, okay. Sur. J'allais dire sur Terre. Ah, mais Terre, c'est la fois qu'il parlait au Joe Rogan Experience? Ça se peut. Je pense qu'il en parlait, ouais. Mais moi, j'ai un de mes bros qui l'a acheté. Puis c'est exactement ça. C'est quand même un bon lance-flamme qui arrive dans une boîte de chez vous. Puis ça crache une grosse flamme. Genre, je pourrais te brûler. Mais pourquoi il a acheté ça? Mais parce que lui, il aime bien Elon Musk. Il était comme, je vais l'encourager dans ses projets. Ben, je vais y acheter un lance-flamme. C'est un objet de collection. Puis c'est quand même badass. Moi, j'étais comme Chris, solide lighter, bro. Man. Mais pour vrai, mais c'est vrai que ça peut être un solide objet de collection. Il va partir un feu avec ça, mon gars. C'est un acide lance-flamme. Ah, ouais. C'est ça. Il a payé combien pour ça? Je me rappelle pas, il a payé combien. Il faudrait que je lui demande. 2000, c'est au moins. Non, mais je pense que c'était moins que 1000$. C'était dans les. Une couple de centaines de piastres. Mais ça, c'est dangereux que ce soit aussi facilement achetable. Oui. Au Canada, ils ont juste fait ça. OK, qu'est-ce que vous voulez importer dans notre pays? Ils vendent pas avec la bonbonne de gaz. Ah, OK, fait que c'est ça. Ben, tu sais, c'est pas ça qui est le plus difficile à se procurer. Ça prend un Canadien de tailleur, un Rhône. Ça te prend-tu un backpack pour traîner la petite bonbonne qui est capable de propulser une flamme de 20 pieds ou... Parce que tu peux pas juste avoir... Tu sais, le sel de barbecue, là, genre, clairement, elle fera pas, là, je veux dire... Tu parles d'un truc de propane? Parce que pour encourager Elon Musk, mais tu plugues ton shit de barbecue là-dessus, je pense que tu fais une calisse de flamme. Non, c'est sûr. Non, mais parce que c'est comme toi, tu le contrôles. Ouais. Ça peut être une petite flamme comme je te brûle la tête. Là. Ouais. Oh, wow. Mais le gars qui avait le container là, qui partait d'outre-mer là, pour l'amener au Canada, tu sais, de ce produit-là qui a été vendu au Canada, ils ont vendu aux douanes quand ils ont ouvert la porte, ils ont fait « C'est quoi ça? » C'est des lance-flammes. Est-ce que vous avez quelque chose à déclarer? 15 000 lance-flammes. OK. C'est que c'est calme. Du coup, qui a l'air hot, par exemple, c'est l'espèce de jetpack genre que tu mets sur l'eau. Je sais pas si vous avez vu ça. Là. Ils font rien que plugger, mettons, genre le tube comme si ce serait pour l'essence. Ah, le flyboard? Ouais, mais c'est juste un jetpack. T'es juste sur un lac puis t'es genre juste fucking prend le tube, mais ça te prend un sidou aussi pour que ça marche. Ça prend un sidou, hein? Ouais. Mais non, c'était une place. Ben, je sais pas, en fait. Mais ce que j'ai vu, c'était un truc qui flottait avec un moteur qui pognait l'eau puis qui te l'envoyait avec un gros tuyau vers ton backpack. Ouais, puis ça fait de la propulsion. Ben, je sais pas, mais il y a tout le temps des ciseaux proches dans les vidéos que ça a l'air d'être connecté un peu. Ben, ça attire l'attention, là, j'imagine. Je pense que quand on se parle là. Oh, regardez! Il y avait sûrement des bateaux aussi. Ça vient pas avec. Je pense, c'est surtout que je m'en vais, mais je pense que la puissance... Il y avait un avion dans le ciel, ça prend des hosties de moyens pour flyer ça. Il y a des cordes! Ben oui, ça a l'air comme tu fais le dauphin, mais je pense que la puissance du Sidou, par exemple. Ah, ça se peut. Ben, sinon t'es-tu un fan de films comédie aussi, ou... Films comédie, je... T'as pas tant de films? Je sais pas, si je suis plat. Non, mais comme si j'écoute pas tant de comédie. J'aime les films d'action. Ouais. Ou les films avec une morale, puis là, tu pleures. Genre les drames,
Moi, j'aime ça pleurer. Les films avec les... T'es-tu fan de films d'animation? J'imagine que t'as vu Coco, d'abord? Ouais. Moi, je pleure souvent dans les films d'animation. C'est surprenant. Le pire, c'est que c'est vrai que c'est les plus touchants, genre. Puis on dirait que peut-être parce que c'est pas... Je sais pas. Peut-être c'est le fait que c'est pas des vrais humains que tu te donnes le droit de brailler. Je sais pas si... Non, même je pas. Je sais même pas, mais... Moi, je me donne pas le droit, là. Je refoule tout ça en dedans comme n'importe quelle émotion, là. Je mets un canot. Moi, j'ai juste les yeux pleins, je suis comme, mais tabarnak. Non, mais moi j'ai... Mais histoire de jouer à trois, mettons, je l'accorde. Ouais. Amen, pour des enfants, c'est hard. Non, juste le début, quand il met ses jouets sur le bord de la rue, là, puis tu sais, moi, c'est que moi, en tout cas, j'ai même pas une. Mais moi, je pleure à... pour tout, tu sais. Moi, j'ai pas quand de... Quand Mufasa meurt, as-tu pleuré? Enfin, non, c'est trop qui. T'as pas pleuré? Chris, moi, Kirk qui a fait le podcast, c'est bon, on avait écouté Le Roi Lion avec un drinking game, puis quand Mufasa, il est mort, il a versé une larme. Ça, tu sais, naturellement. Moi, on l'a regardé, puis ça s'est suivi de 15 minutes de genre, t'es faible, Kirk. moi, j'ai comme un moment où, dans ma semaine où je pleure. Moi, j'écoute des playlists d'affaires inspirantes, puis courageuses, puis je pleure. Je fais la même affaire, des fois, ça arrive. Je me fais comme un backwash d'émotions une moment donné. Je regardais des militaires qui revenaient faire une surprise à leurs enfants. C'est ça, ouais. J'ai l'impression que les deux, vous tripez sur la même porn star pour elle. Ouais. Mais ça me fogne. Vous éjaculez des... Moi, je vois ça comme de la porn. C'est comme quand moi et Marco, on parle de porn. Mais ça fait du bien. Ça sort des yeux. Pour vrai, ça fait du bien. Je pense que ça doit être sympa. Il y a une fois, là, j'ai passé, là, je te niaise pas, là, genre, j'ai tellement braillé toute la nuit là, que le lendemain matin, j'avais encore les yeux poufis, man. Moi, souvent, quand je fais cette soirée-là, de lamentation, le lendemain, j'ai mal à la tête. Ouais. C'est comme si je m'étais stimulé, mais non. Ça a l'air, c'est cancérigène pleurer. Ouais. Ah, mais des fois, c'est juste. Ah, non, sérieux, en tout cas, ça fait du bien. Sinon, dernièrement, j'ai des playlists de gens qui font des bonnes actions. Dans un auto. Tu as regardé les vidéos de Martin Turgeon, genre? I'm coming for you, man. I'm coming. Là, il va juste le sauver, puis il y a une petite musique triste dans le bac, puis je suis comme, ah, il l'a aidé. Ah, oh, c'est un bon, là, il l'a aidé. T'as-tu été ému en regardant les capsules Smiley de Martin Turgeon? Sinon, ça, je pense qu'on pourrait faire un lien avec la première rubrique de tantôt, c'est le suicide. OK. Oh, bam, boum, bam. Je te gagne pas. Non, Jer avait parlé de ça avec Marco. Puis, genre, Marco était une semaine à faire, genre, à montrer des vidéos noires. Juste comme, on parle pas de ça, puis juste sortir son self. Garde le gros tabarnak. Genre, pendant une semaine, là, au complet. Là. Mais le pire, c'est que ça serait un bon invité pour le podcast. Je veux pas l'avoir. Je veux pas l'avoir non plus. J'en ai rien à chier. Ça a l'air d'une hostie de merde. Je veux pas l'avoir. Je le connais pas. Je veux pas l'avoir. Ouais. Je vais l'inviter sans vous le dire. Je vais dire, on reçoit Mike Ward. Je vais arriver avec Martin. Ça me fait chier. Je vais toujours les timates, puis là, je vais être tout face. Ben oui, c'est un peu malaisant à dire, mais je pense que j'aurai pas le choix qu'on rappe dans pas trop long. Pourquoi? Parce que ma blonde elle a compris que je l'invitais à aller au métro à 10h30, mais j'y ai dit, je te retexte tantôt, mais elle a pris l'initiative d'y aller tout de suite. Ah, OK. Bon. Ouais, désolé, c'est une condition malaisant. Ben oui, c'est malaisant, oui. Je suis vraiment désolé. Là, ouais, pas de stress. Ouais. Ben sinon, on peut finir là-dessus. T'as-tu une anecdote de scène qui est de Lost in Bar? La dernière fois, mettons, que tu te rappelles, ou la pire fois sur scène? Là. La pire fois sur scène, quelque chose qui était vraiment pas nice, genre? Ouais, exact. Un moment que t'es même pas ta job, t'étais humilié. Ben une fois, j'ai fait un spectacle à Châteauguay. Au début, c'était censé être payé 75$. Finalement, c'était pas payé. Mais ce qui est le plus weird, c'est qu'il disait qu'il y avait un stage, puis qu'il y avait une salle, puis qu'il y avait un micro. Mais en fait, c'était juste dans le deuxième étage d'une cage au sport, en haut. Oh non! Puis il y avait des tables, mais il n'y avait pas de stage. Puis le micro, c'était un micro sans fil, que si tu avançais, ça s'en allait de l'adapteur, fait que ça coupait. Fait qu'il fallait rester au même spot sans bouger. Mais en plus, notre scène était à côté de la cage d'escalier où les serveurs remontent pour aller porter les assiettes puis ramener les assiettes. Fait que
constamment, il fallait se tasser. Fait que ça coupait à chaque fois que les serveurs passaient. Puis, nous autres, on était comme, tu sais, OK, c'est pas grave, au pire, c'est ça les conditions, mais tu sais, il va y avoir des adultes, tu sais, on va pouvoir faire les gags qu'on veut. Puis, finalement, non, parce que c'était la fête de quelqu'un. Puis, finalement, c'était le party de fête de quelqu'un. Et il y avait des enfants et des familles. Des gens de 40, 50 ans. Puis des gens avec des enfants qui couraient partout. Tabarnak, ça rétrécit le matériel de beaucoup, j'imagine, dans ta tête, quand tu vois toutes les conditions. Pas fait grand-chose. Tu fais quoi? Tu fais plus du crowd work ou... À ce moment-là, il n'y a pas beaucoup de talent. Tu fais tes shit. Fait que j'ai fait mes affaires. Ouais. J'ai essayé de voir comment ça fonctionnait, mais les gens attendaient pas une fois sur deux. Puis à un moment donné, j'ai fait un high-five au serveur, ben j'étais comme « fuck off » ici, faire un high-five. « Hey, on vit le moment, c'est mal à l'aise. » Puis à un moment donné, en montant, t'as un serveur avec toutes ses bières qui est tombé et ça a revolé sur moi. En plus, ça peut être payé. Il y a personne qui t'écoute, t'as reçu de la bière. Puis, ben ça, j'ai eu mon lift au métro Berry, plein de bières. Et j'ai eu beaucoup de plaisir à me dire « Hey, hein, je fais ça... » Parf, j'aime ça, l'humour. J'ai décidé de vivre mon rêve. J'étais heureux. Mais comment ils t'ont dit, ouais, tu sais, toute la merde que t'as faite, là, tout ça, ben, tu seras pas payé en plus. Mais c'est parce que j'ai accepté ça d'une certaine personne que je qui est un ami maintenant, mettons. Mais comme, dans le temps, on acceptait beaucoup n'importe quoi. Ouais. Puis, au début, il m'a dit, c'était un show, il y a ci, blablabla. Fait que moi, j'arrive avec cette idée-là. Puis finalement, plus ça. Finalement, c'est pour. La fête de Stéphane Redwater. Qui? Stéphane Redwater, qui était quelqu'un qui organisait des soirées au bistrot de Paris. Ouais, sur Mont-Royal. J'ai jamais fait ces soirées. Ah, ouais, bonne affaire pour toi. Fait qu'il renifle en masse, lui, dans une soirée. Et c'est sa blonde, une madame, en fait, qui a comme 57 ans, qui organisait ça. C'était pas clair. Puis à la fin du show, tous ses collègues à Stéphane qui étaient venus nous voir pour sa fête, ils sont venus me voir en me disant hey, c'est vraiment drôle ton set, surtout quand t'es pissé dans tes culottes. Moi, j'avais plein de bière. Puis un moment donné, moi, j'étais là, j'avais une petite barbe, mais comme une barbe toute échevelée parce que j'avais mon premier poil dans la face. Ouais. Puis il m'avait dit hey, t'es-tu un camoule? Puis c'était des gens dans la Moi, j'attendais juste que le show finisse. Tu traînes beaucoup à la bibliothèque, ça. Bon, Stéphane, Roger, Robert. Puis Dave, c'est toute cette gang-là. Ouais. Non, mais ouais, c'était ça. Mais sinon, bien sûr, toi, t'as sûrement eu des mauvais shows aussi. Là. Ouais, mais j'en ai compté quand même une coupe ici déjà. Sinon, attends, qu'est-ce que. Tu t'es pas fait kidnapper par une prostituée? Hein? Hein? Quoi? T'as pas un number là-dessus aussi? Ah non, mais ça, ouais, mais c'est pas tant un show plus qu'une date. Non, c'est pas date, un show. Ça, non, je sais. C'est une date qui m'a admiré, ouais. On peut aller là. Mais tu aller là? Ouais, on peut, mais là, c'est... Non, vas-y. C'est une blonde, là. Non, c'est correct. Comme, c'est important de garder ben, j'ai peur qu'elle me laisse aussi, là. Fait que... C'est-tu vrai? Non, c'est vrai. Elle est là, mais attends, mais elle est là au métro. Que j'ai tellement aimé ta réaction. Non, vas-y, c'est pas correct. Bon, mais Chris, message. OK. C'est parce que moi, quand j'ai ouvert mon... La première fois que j'ai ouvert mon compte Tinder, j'ai eu un match avec une fille. Puis le premier match que j'ai eu, ça a super cliqué. Fait que j'étais comme, hein, Chris, c'était une joke, là. Puis, tu sais, j'en disais que la fille, c'était cool. Puis finalement, on a eu une date ensemble. Puis, tu sais, jusque-là, c'est correct. Elle m'a dit d'aller chez elle. J'étais allé chez elle, il était peut-être 2-3 heures le matin. Tout est cool. Puis on va chez elle, on jase, ça clique. Finalement, elle m'annonce qu'elle était escorte. T'sais. Mais comme que pendant 2-3 mois, on jasait, puis elle m'a jamais dit qu'elle était escorte. Là, j'étais comme, OK, tu sais, t'es escorte. T'sais, je peux vivre avec cette... Fait que là, tu penses à toutes les fois que le condom a comme pété. Comme, j'ai eu contact avec cette femme. Non, mais c'est parce qu'elle me dit ça... Comme au moment où il y a un engouement. No big deal, là. Me fait fourrer pour l'argent. Non, attends. Au moment où il y a un engouement, ça. Fait tu sais, moi, il y a l'aspect de. OK, mais Chris, tu aurais pu juste me le dire. Puis, tu sais, je pense que, tu sais, au niveau des conversations qu'on avait eues, tu sais, t'as vu, ça me dérangeait. Je pense que ça doit donner autant une claque d'en face qu'elle disait qu'elle ferait de l'héroïne, là, pour elle. Là. C'est genre, Non, mais là, l'héroïne, j'aurais moins trippé, je pense, là. Attraper le sida, ça m'intéresse pas. Là, mais Chris, une escorte. Non, mais les escortes sont souvent plus propres que les filles. Oui, non. Sincèrement, si c'était une escorte indépendante, comme, c'est sûr, certains qui prennent soin de ses affaires. Puis tout. Puis ça, j'avais pas peur de ça, mais c'était comme, OK, tu sais, moi, j'ai.
C'est une escorte indépendante. Ah oui, c'est quand même. Non, mais ça, les agences, t'as les agences. C'est celles qui font ça, tu sais, de leur côté en général. Ils n'ont pas de pimp. Nomades. Ouais, exactement. Ok. On est nomades. On a un coup de pied. À vos scalades des calls, puis. Tu sais, elle amène ça, puis j'étais comme. Tu sais, j'étais un peu réticent parce que j'étais comme. Moi, je sais, mais ça, qu'elle m'en parle, tu sais, puis pendant qu'elle pendant qu'elle me jasait de ça, tu sais, elle vit dans un gros love dans le quartier gay. Puis c'est déjà là, moi je suis quand même jeune, j'ai aucune expérience avec personne. Ouais. Fait que l'aspect de « Ah, j'ai vraiment peur de me faire violer », j'avais vraiment peur là, qu'il se passe de quoi. Puis au moment où elle me jase de ça, puis j'essaie d'analyser la nouvelle, il y a comme son cola qui lui aussi est escorte, mais c'est un escorte mort. Okay. Qui est comme, qui rentre dans la salle, il nous dit de fermer nos gueules. Parce que genre il va recevoir des clients. Fait que là, moi déjà là, je suis tout perdu. Fait que là, on essaie de discuter puis d'être à l'aise, mais tout le long, t'as tout le temps lui, genre, qui est comme qui est là, en train de fourrer des hommes. Et pour vrai, ce gars-là. Ouais. Ce gars-là, il en fourre des messieurs. Là. Ouais, mais j'imagine le monde qui paye doit préférer se faire enculer le monsieur. C'est une machine, là, ce monsieur-là. Ouais. Puis comme tu sais, mettons dans une équipe de hockey. C'est ouais, comme moi, mettons. Il y a eu 6 relations sexuelles en peut-être 4-5 heures avec la fille. T'sais. Ouais. Moi, à ce moment-là, j'en avais peut-être eu 2-3 à 19 ans. Fait que, tu sais, mettons dans l'équipe de hockey, ce gars-là serait Sidney Crosby. C'est le gars qui fait l'inventaire des jackstraps. Ce genre de lien-là. Puis comme, il fait ça, il y a un malaise. Puis à un moment donné, on essaie de jaser. Puis moi, je suis malaisé, comme ça se peut pas. Puis là, elle fait juste me dire ah ouais, tu peux t'attendre ici un peu. Puis je suis comme attendre ici, chez vous. Puis elle me dit ouais, j'ai un client, faudrait genre j'y aille puis je reviendrai tantôt. T'sais. Puis moi, je suis comme un peu perdu. Je suis comme OK, mais qu'elle s'en va. Puis elle part. Puis moi, je me dis, Chris, fuck off, je vais m'en aller. Ben ouais. Fait que tu sais, mais tu sais, le truc, c'est que c'est un vieux loft qui est full vieillot, c'est full beau, c'est super grand, c'est tout ouvert, mais. C'est vrai même... que tu passes par la chambre de son. C'est les mêmes genres de serrures que j'avais vécues avec ouais, mon okay. ex. Oh, pis, mais ça prenait des clés pour les ouvrir. Oh. J'avais pas les clés. Fait que j'essaie de m'en aller par en arrière, ça ouvre pas. J'essaie de m'en aller par en arrière, ça ouvre pas. Puis j'essaie de passer par le balcon, aucune possibilité. J'essaie de passer par une fenêtre en arrière, aucune possibilité. Fait que j'ai juste un moment donné... T'es sûr qu'elle a pas de pimp? Mais j'avais peur pour moi, bon vrai. J'étais comme Chris, je suis séquestré. Ça me tente pas tant que ça, tu sais. Fait, fait tout ce qui se passe en ce moment-là, c'est que je me dis, bon, ben, j'aurais pas le choix d'aller déranger le double d'escorte pendant qu'il faut. Oh, tabarnak de calice. Fait que, tu sais, je monte en haut, mais là, j'ai. Plus, t'as dit de fermer ta calice d'ailleurs quand tu parlais, mais je trouve quand tu cognais à la porte. Fait que, tu sais, j'ai juste cogné, mais j'ai fait comme. Excusez-moi! J'aimerais ça m'en aller! Gros silence, je redescends en bas. Mais là, il y a quelqu'un qui finit par venir. Mais c'est pas l'escorte, genre son cola. C'est le client hein, que je connais pas. Fait que moi, je suis juste en mode de. Je vais pas le regarder, je veux pas d'être contact. J'ai pas envie qu'on vienne les aimer. C'est pas que tu penses que t'es j'ai pas envie d'avoir de souvenirs de lui, peu importe. Fait que tu sais, on descend en bas avec les clés, échappe les clés. Fait que là, je suis comme, ramasse les clés, je ramasse les clés. Mais lui, là, tu sais, moi, je check juste son corps, je check pas son visage. Mais tu sais, c'est un petit monsieur avec des boxeurs full moulantes, léopard. Puis un nest gros graine. Genre lui là, comme il a pas grandi, mais sa graine, oui. Puis comme. Un petit trapu, comme je donne la clé, il débarre la porte, puis quand je redonne la clé, j'ai un eye contact avec, puis je constate que c'est mon prof de science de secondaire 2. Oh, non. Ta gueule. Est-ce qu'il t'a. Monsieur non. Boyer. Il t'a-tu reconnu? Oui, il m'a reconnu. Non! Puis là, il pensait que toi avec, t'étais là pour ça, c'ti, en plus. Ouais. Puis là, il m'a reconnu. Puis là, j'ai juste regardé. Puis le truc, c'est qu'il faut monsieur comprendre... Faut comprendre que le gars qui est venu me voir non. Pour nous aider à fermer nos yeux, il y avait un chandail, c'était marqué « Fuck me, papy ». Fait que moi, le seul lien que j'ai fait pour essayer d'être drôle dans une situation malaisante, j'ai dit « Bonne soirée, papy », puis je suis parti. Non! Et ça a été ma soirée. Oh, tabarnak! Ah, oh, c'est curieux. C'est curieux comme un tabarnak! Tu sais, moi, là, je fais tout le temps un numéro entre l'addition des jeux à ce qu'on a en spectacle à mon école secondaire à côté de chez nous. Puis l'année d'après, tu sais, moi, je prends le temps des nouvelles des profs que j'aimais, tu sais.
Puis j'ai juste demandé à la, à la technicienne en loisir savoir si, tu sais, lui, il travaillait encore là. Puis non, il a changé d'école. Non, et ouais. Moi, dans ma tête, j'ai le plaisir à me dire que c'est peut-être ma faute. Tu sais, parce que, parce que les autres années, il était là, pour, comme dans le public, pour me voir. Puis là, il était plus là. Tu sais, c'était... Puis ouais, lui, il cachait beaucoup son homosexualité. Puis tout le monde... Tous les ados étaient comme « Êtes-vous gay? » Comme « Non, j'ai une blonde, mais finalement... » Finalement. Elle coûte cher, sa blonde. All right. Hey, ben, merci beaucoup d'être venu. T'as-tu des shit à plugger? Ouais, plugger. OK. là, faut que je fasse les... Si, je suis pas bon là-dedans. Là, tu ouvres ta page Facebook au pire? Non, il y a rien sur ma page Facebook. Okay. Ben, rien à plugger de tout ça. Dans le fond, moi, j'ai deux shows Unifest. Sur le show, le Gad Elmaleh Show. Ouais, hommage au plagiat où t'as des humoristes qui reprennent des vieux numéros en les mettant à leur sauce, en copiant. C'est nice, ça va marcher, je suis sûr. Ouais. C'est une bonne idée. C'est très drôle. C'est le 26 juin. Ouais. À 19h30 au Jockey. Tu peux aller sur le site du Minifest puis tu vas avoir les billets. Sinon, moi, j'organise le show La Révolution des Hommes Hobbes, qui est un show où les hommes parlent de leurs sentiments puis cassent la masculinité toxique, qui est à 22h le 28 juin. Puis le 17 juillet au Terminal Comedy Club, je fais mon 30-30 avec Christophe Dupéré. Ah, oh, nice! Cool. Ça risque d'être vers 8h, 8h30, je suis plus sûr de l'heure, mais ça va être partagé sur ma page puis sur mon compte personnel, sinon c'est peut-être 2 semaines. Ta page personnelle, c'est Fluc? Fluc Saint-Gelais. Flux Saint-Gelais. Ouais. Flux Saint-Gelais. Ouais. All right. Flux Saint-Gelais. All right. Cool. All right. Ben, allez le suivre, guys. Sinon, Jeff, t'as-tu des... J'ai fait ça en début d'épisode. C'était un mini-épisode à 15 minutes. Retour au début où j'ai fait mes plugs là. Sinon, le spotlight est le plug. Yes. Bon, merci, boys. Merci d'être venu pour ça. Ça vous a... Non, mais faites ça vite, Chris. J'attends quelqu'un. OK, bon, salut. Bye, on se dit.